thank you Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette journée de l'archéologie. Je suis un peu ému aussi puisque ce sera la dernière fois que j'aurai l'occasion de faire une conférence ici au nom de la direction de l'IFAO, après quatre ans, je ne sais pas, j'espère, de loyaux services. Et nous allons ouvrir cette journée de l'archéologie par un message que nous a transmis l'ambassadeur de France en Égypte, Marc Baretti, qui malheureusement ne pouvait pas être là à 17h, mais sera là un peu plus tard avec nous. Donc je lis son message. Mesdames et Messieurs, je regrette de ne pouvoir être parmi vous cet après-midi du fait d'autres obligations mais je tenais à vous transmettre quelques mots de bienvenue pour cette journée de l'archéologie France-Égypte qui marque traditionnellement la fin de la saison des fouilles avant la coupure estivale. Depuis 2017, la journée de l'archéologie France-Égypte est en effet l'occasion de réunir les principaux partenaires français de l'Égypte dans le domaine archéologique pour présenter les résultats les plus marquants de l'année écoulée. Il y a plus d'une quarantaine de missions françaises, franco-égyptiennes ou partagées entre la France et d'autres pays européens, qui ont lieu chaque année sur le sol égyptien. Ce nombre dit à lui seul l'intensité de l'investissement de la France dans l'archéologie égyptienne, qui se traduit par un partenariat de premier plan avec le ministère du Tourisme et des Antiquités de l'Égypte, sans lequel aucune de ces opérations ne serait possible. Je voudrais remercier ici le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Issa, pour son soutien constant à nos missions, ainsi que le docteur Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil Suprême des Antiquités et ses équipes, pour rendre possible ces multiples activités de fouilles, de restauration, d'études scientifiques ou de formation. Je remercie aussi leur représentant ce soir, Dr Isham El lessi sous-secrétaire d'État pour la documentation des antiquités égyptiennes, pour sa présence parmi nous, mais aussi pour les nombreuses collaborations qu'il entretient avec les missions françaises, aussi bien avec l'IFAO qu'avec la mission euh, du Ramesseum euh, de Christian Leblanc, que je salue également. Cette septième édition de la journée de l'archéologie France-Égypte se distingue particulièrement cette année en ce qu'elle ne se limite pas à la présentation des travaux des missions françaises en Égypte, qui sera donnée dans quelques instants par Laurent Coulomb pour ce qui concerne l'Institut français d'archéologie orientale. Elle met à l'honneur aussi un des aspects fondamentaux de, de l'archéologie dans nos sociétés modernes, l'archéologie préventive, qui consiste à détecter et à sauvegarder les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés ou détruits par les travaux d'aménagement public ou privé. Chacun aura bien sûr à l'esprit la plus célèbre opération d'archéologie préventive en Égypte, celle réalisée dans les années 1960 pour sauvegarder et documenter les temples de Nubie dans la zone qui allait être recouverte par les eaux suite à la construction du barrage d'Assouan, et les succès que cette opération a produits. qui résonne encore comme un modèle dans la coopération entre l'Égypte, la France et beaucoup d'autres nations dans le domaine de l'archéologie. Et de la préservation du patrimoine. Nous aurons ce soir le plaisir de recevoir Dominique Garcia, président de l'Institut qui est dédié spécifiquement en France à cette archéologie préventive, l'INRAP, pour nous présenter les problématiques du côté français. Puis une table ronde sera l'occasion d'évoquer les enjeux de l'archéologie préventive en Égypte avec la participation de Bassem Jihad, directeur de l'unité de formation du ministère du Tourisme et des Antiquités. Et de Thomas Fauché, directeur du centre d'études Alexandrine. Je vous souhaite de très, très riches échanges et j'aurai plaisir à vous retrouver un peu plus tard dans la soirée dans les jardins de l'IFAO. Je vous remercie. Donc je, vais, je vais ensuite me, me donner moi-même la parole pour, pour la suite de la présentation euh, avec une introduction hein, qui est, qui est euh, habituelle à, à cette journée, celle de la présentation des, des travaux de, de l'IFAO. Alors, il m'a dit de bouger le curseur. Donc je vais euh, en, quelques, en quelques minutes, hein, 20-25 minutes, euh, vous donner un aperçu des, des travaux de l'Institut français d'archéologie orientale en, lors de l'année écoulée, hein, donc de, de septembre 2022 à, euh, à juin 2023. Euh, évidemment, euh, c'est un challenge que de, que de devoir présenter euh, tant d'activités. Euh, en, en si peu de temps, mais euh, je vais essayer de vous en donner un aperçu le plus euh, vivant possible, en rappelant d'abord, évidemment, euh, que, que l'IFAO euh, est l'une euh, des, des cinq grandes écoles françaises à l'étranger, avec euh, euh, l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, euh, l'école euh, française d'Extrême-Orient et la Casa de Velázquez à Madrid, qui forment euh, un réseau. Euh, L'IFAO a été créé en, en 1880, donc on a plus, plus de 140 ans de, de recherche euh, sur les civilisations de, de l'Égypte à notre actif. L'IFAO, c'est euh, 100 pardon, opérations scientifiques par an, près de 200 institutions, euh, laboratoires, universités, instituts euh, qui sont nos partenaires euh, au quotidien dans toutes ces opérations sur cinq continents. Et euh, l'IFAO voit passer euh, chaque année près de 550 personnes engagées dans ces opérations, que ce soit des fouilles, euh, des colloques, euh, des opérations euh, de, de recherche ou d'études à l'Institut ou euh, à travers l'Égypte. D'un point de vue archéologique, euh, nous le verrons, euh, on a une très, gros, très riche activité, environ 35 opérations de terrain sur des sites d'époques variées qui couvrent la quasi-totalité de, de l'histoire égyptienne, hein, depuis la, la préhistoire jusqu'à l'époque islamique. Et donc, vous le voyez, la vocation de, de, de l'Institut dans, dans sa globalité, c'est d'étudier euh, l'ensemble des civilisations qui se sont, à travers, euh, se sont succédées à travers le temps en Égypte. Hein, dans tous ces aspects. Alors là, l'immense atout de, de l'IFAO, c'est d'être un institut complet hein, et d'une certaine façon assez autonome dans sa recherche scientifique, puisqu'il dispose de tous les moyens pour euh, collecter les données, les analyser, les traiter, les conserver et les publier. Donc comme vous le savez, l'IFAO se distingue notamment par sa bibliothèque extrêmement riche, près de 94 000 ouvrages, mais aussi un service d'archives et des collections, une imprimerie qui publie plus de 25 ouvrages par an, et ce chiffre sera largement dépassé je crois cette année, et nous avons aussi un pôle archéométrie extrêmement actif avec le seul laboratoire d'analyse C14 d'Égypte à ce jour. L'IFAO, c'est aussi un très grand nombre de, de séminaires de recherche euh, et aussi de conférences qui euh, permettent de diffuser le, le savoir et de, de produire aussi les, euh, la, les résultats de recherche par la confrontation euh, des, euh, des points de vue scientifiques. Alors vous connaissez les, les différents cycles de, de l'Institut qui ont été euh, très euh, actifs cette année, aussi bien les rendez-vous de l'archéologie en partenariat avec l'Institut français d'Égypte, les conférences de, de l'IFAO, les cycles Midan-Munira, et puis euh, la, les conférences Égyptologie-Belarabie qui ont eu un, un très grand succès cette année, qui donnent... Euh, la parole à des chercheurs euh, parlant euh, en arabe sur des euh, thématiques euh, de la recherche égyptologique. Un très grand nombre de colloques aussi a été organisé euh, cette année. Je ne peux pas évidemment les, les détailler tous. Euh, J'en signalerai euh, un simplement qui a été organisé par euh, Fatma Keshk qui était la lauréate de la bourse commune entre l'IFAO et l'Institut polonais. Ce colloque intitulé Living in the House a réuni un grand nombre de spécialistes de, de l'habitat domestique, aussi bien en Égypte et au Soudan, avec une pers perspective à la fois archéologique et ethnologique. L'année 2022 aussi a été. Euh, Particulièrement euh, riche en événements liés au, euh, à la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. C'était évidemment un événement euh, majeur et nous avons euh, contribué à, à célébrer cet acte fondateur, en quelque sorte, de la naissance de, de l'égyptologie, par un colloque qui a été organisé euh, avec nos collègues de la Bibliotheca Alexandrina à Alexandrie. En partenariat aussi avec le, le Centre d'études Alexandrine et l'Institut français d'Égypte. Euh, donc ce colloque s'intitulait Hieroglyphs in the uh, 21st Century et euh, cherchait à montrer en quelque sorte euh, l'impact toujours vivant de cette découverte euh, du, du secret des, des hiéroglyphes par, par Champollion et la manière dont les égyptologues, les épigraphistes euh, poursuivaient en quelque sorte l'enquête dans différents domaines, aussi bien philologiques. Paléographiques, anthropologiques, etc., autour de, de l'écriture égyptienne. Un volume euh, sur les déchiffrements d'écritures, euh, des écritures à travers le, le monde antique et, et euh, moins antique, euh, a été publié donc, euh, sous la direction de Françoise Briquet-Châtonnet et Céline Ramiot, en partenariat avec le musée de Figeac. Et c'est aussi avec le musée de Figeac que s'est noué un partenariat pour monter une exposition pédagogique qui a sillonné Le Caire et Alexandrie pour expliquer le fonctionnement des hiéroglyphes à un public scolaire. Et puis une exposition, là plutôt tournée vers les artistes, a été montée. En partenariat avec l'Institut français d'Égypte, une exposition qui s'appelait "Écrire et compter", montrant des œuvres réalisées par des artistes, en quelque sorte investissant les signes graphiques pour quels qu'ils soient, pour en faire des œuvres artistiques. Je parlais tout à l'heure des, des publications, hein, je ne peux pas les, les évoquer toutes, mais euh, l'année qui s'est écoulée a été très riche en production. Euh, je vous signale simplement euh, deux ouvrages qui euh, sont issus de programmes et manifestations scientifiques autour de euh, la notion de graffiti, de rock art, euh, d'inscription rupestre, euh, l'épigraphie secondaire, donc euh, l'un publié par euh, Palvel Polkowski. Euh, et l'autre euh, par Chloé Ragazzoli, Raled Hassan et Chiara Salvador, qui vient juste euh, de sortir. Je ne peux pas aussi ne pas mentionner l'ouvrage qui est sorti aujourd'hui même des presses de l'IFAO, euh, donc euh, les actes du colloque euh, du euh, international des, Congrès international des égyptologues, qui avait été organisé par le ministère du Tourisme et des Antiquités au Caire en 2019 et qui a été édité par Ola Elagizi et Bert Kasparian, un monumental ouvrage avec plus de 130 articles qui donne un panorama extrêmement détaillé de la recherche actuelle en égyptologie. C'est un partenariat extrêmement fructueux avec le ministère du Tourisme et de qui a donné lieu à cette publication, et l'on s'en félicite les articles de l'ouvrage sont accessibles gratuitement en ligne sur le site de l'IFAO. Et puis, euh, s'agissant des, des publications aussi, euh, je, je signale que euh, la tradition de la publication des temples ptolémaïques euh, d'époque gréco-romaine se poursuit avec euh, les ouvrages récents qui sont sortis des presses, le temple de 5, V, donc qui poursuit la série... Euh, initié par Christian Zivikoche avec une nouvelle édition des textes et une traduction, et puis euh, la série Atribis 7 sous la direction de Christian Leitz, euh, série qui va encore s'enrichir de, de plusieurs volumes dans les mois et années qui viennent. Et enfin, signalons que euh, nous avons aussi euh, publié des, des ouvrages en arabe avec un, un effort de traduction scientifique. Euh, marqué avec un comité de, euh, de spécialistes qui a euh, veillé à ce que l'ouvrage de Pierre Tallet, euh, Chloé Ragazzoli, Frédéric Perraudot et Claire Somalino, euh, consacré à l'histoire de l'Égypte pharaonique, soit traduit avec euh, une terminologie la plus correcte possible. Et donc cet ouvrage, donc, qui est destiné surtout aux, aux étudiants, euh, est maintenant euh, disponible en, en arabe sous les presses de, de l'IFAO. Alors, l'IFAO, c'est aussi euh, une activité de formation euh, pendant, pendant toute l'année avec euh, des euh, sessions de formation qui sont ouvertes euh, aux doctorants, qu'ils soient français, internationaux ou euh, égyptiens. Euh, la session la, plus, euh, la session historique, la plus célèbre, c'est l'Académie la, erratique qui en était à sa sixième édition en, en 2022. Donc, des étudiants euh, s'attaquent au déchiffrement et à, à la publication d'Ostraca provenant de, de Derr al C'est une longue tradition d'études à l'Ifao que, que d'étudier ces, ces fragments inscrits. De, de morceaux de textes euh, égyptiens. Et à chaque fois, euh, la session est consacrée à un thème particulier. Donc en 2022, c'était autour de, euh, des richesses littéraires inconnues, c'est-à-dire des, des fragments d'œuvres euh, qui sont conservés sur ces ostracas qui appartiennent à des, euh, des compositions qui sont pour euh, une partie encore inconnues et qu'on peut rassembler. À travers euh, la, la compilation de différents extraits connus par ces ostraca. Donc, la session euh, de, de l'Académie Iratique est pilotée par euh, Florence Albert et Annie Gass et la septième édition est déjà euh, annoncée pour, pour 2023. À partir de septembre 2022, aussi, euh, innovation à l'IFAO avec euh, l'arrivée d'une responsable pour la formation scientifique, Mathilde Prévost, euh, qui euh, est chargée d'organiser tout au long de l'année les formations euh, à l'intention des euh, jeunes chercheurs égyptiens, à la fois de l'université ou du ministère du tourisme et des antiquités. Euh, elle a mené plusieurs actions. Une des principales était le, le séminaire... Current developments and methods in ancient Egyptian history and archaeology. Donc, vous voyez une, une image d'une des, une des sessions euh, qui, qui, qui avait pour cadre le laboratoire euh, d'archéométrie. Cette, euh, cette formation s'est faite en partenariat avec le ministère du Tourisme et l'Antiquité Et Docteur Bassem Jihad euh, y a largement contribué euh, à travers 14 séances réparties sur l'année 2020 de 2023, dans ce qui a permis un suivi euh, des étudiants euh, à travers euh, cette, euh, ces différents mois avec des séances consacrées à différents aspects de la recherche égyptologique et certaines visites de sites à Tel Eliswede, hein à Surna, qui ont permis de euh, faire connaître les réalités, en quelque sorte, du travail archéologique directement sur le terrain. Euh, je, dans le, Registre de la formation, je citerai aussi ce workshop organisé à SOAG hein, par euh, Mathilde Prévost, Hassan Sélim, Ahmed Mekawi, Marion Claude et moi-même. Nous avons eu euh, l'occasion de nous rendre euh, sur le site, de découvrir aussi les dernières découvertes de, euh, des équipes égyptiennes sur les sites euh, aux alentours de SOAG et euh, de présenter... Au, au musée de Soag, une, une série de, de cours sur euh, la recherche en égyptologie en présentant un, un certain nombre de cas euh, d'école euh, pour euh, l'analyse la, des, des données. Alors j'en viens maintenant à euh, ce qui concerne la, les, les opérations archéologiques. Bon, il y a eu un petit, une petite déformation dans la diapositive, j'en suis désolé. Euh, L'Ifao euh, mène, je l'ai dit, euh, environ 35 euh, opérations euh, chaque année. Alors, il les mène évidemment en, en coopération avec des, des équipes françaises, hein, des équipes de recherche, des universités, du CNRS ou des équipes internationales, avec le soutien euh, du ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères. Dix hein, opérations sont soutenues par la Commission des fouilles, et puis l'aide de mécènes ou de fondations de, de mécénats, comme le Fonds Keops pour l'archéologie, Arpamed, ou la Fondation Michela Chivjorzini. Alors, je ne vais pouvoir présenter qu'un qu petit aperçu, évidemment, de tous les résultats archéologiques de l'année, pour que vous puissiez découvrir la source de, de, cette, de ce panorama et de vous plonger de manière plus détaillée dans les résultats des... Des, des fouilles de, de cette année. Je vous renvoie au bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, euh, qui est en ligne gratuitement. Et pour chacune des missions soutenues par l'IFAO, vous avez euh, une quinzaine de pages avec euh, les données les plus récentes sur euh, les découvertes réalisées lors de, la, lors de la mission précédente. Alors je signale aussi que euh, les travaux de l'IFAO ont étaient aussi relayés par la presse et les médias à différentes occasions. J'en ai mis deux exemples, les dossiers d'archéologie consacrés au site de Dendera, qui est paru en septembre-octobre 2022, dirigé par Pierre Zignani et Yann Tristan, et puis un documentaire dans le cadre de la célébration Champollion, qui est sorti aussi à l'automne 2022, qui était consacré au déchiffrement des hiéroglyphes et au travail des épigraphistes. Dans la TT33, la tombe de Padi à Ménopée, et à euh, Derel -Médine. Alors, le, le bref panorama que je vais vous donner des, des derniers travaux, je l'ai organisé de manière chronologique, en commençant par euh, évidemment les périodes de, de formation et les premières dynasties de, de l'Ancien Empire. Euh, donc, très brièvement, hein, je ne vous montrerai que quelques vues pour, ça, pour certains chantiers donc vous savez que, que l'IFAO est très engagée dans des chantiers euh, préhistoriques euh, notamment euh, selon une tradition qui a été initiée euh, par béatrix Mid heinz deux sites ont été actifs euh, l'an dernier le site de, de tell Ellis euh, vous avez une image des, des silos de la période début bouteau 2b qui ont été euh, qui ont été dégagés par cette mission dirigée par Nathalie Buchese, hein, qui, qui se fait en, une mission qui se fait en partenariat avec euh, l'INRAP, et euh, une image de, euh, du chantier de Tel-El-Samara dirigé par Frédéric Guyot avec aussi un ensemble de silos, mais euh, plus anciens. Là, on est euh, fin 5e, milieu 4e millénaire euh, avant euh, Jésus-Christ. Donc euh, ces travaux sur ces deux sites euh, visent à mettre en évidence les différentes phases de, de formation de, de la civilisation égyptienne avec une étude extrêmement pointue des différentes strates qui témoignent de la progressive formation de, de, ces, de, de la civilisation pharaonique dans ces sites du delta. Un peu plus au sud et un peu plus tard, on a un certain nombre de sites qui sont aussi l'objet de, de missions IFAO pour les, les premières dynasties. Donc il y a un fouillé par Yann Tristan, pour des mastabas de l'Ancien Empire, du 1 première, première dynastie. Et puis on a les sites des ports intermittents de la mer Rouge, Sourna fouillé par Claire Somalino, Wadi El Jarf par Pierre Talet. Euh, et puis euh, deux sites un peu moins euh, connus, en tout cas pour les recherches de l'IFAO qui y sont menées. Wadi Sanour, euh, avec un, une étude sur l'exploitation du silex euh, lié au plateau de Galala. Euh, la mission donc, dirigée par François Briois euh, explore notamment un campement de mineurs. Euh, qui a livré cette année euh, des, des éléments particulièrement intéressants, à savoir des, des fragments de jarres et des Ostraka qui mentionnent des équipes d'ouvriers euh, du temps de Kéops avec des connexions possibles justement euh, avec les travailleurs euh, 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 attestés au Wadi El Jarf. Donc vous voyez qu'il y, y a des connexions qui s'établissent entre ces sites et entre les, les, les missions de l'IFAO. Et puis à Meidoum, Aurore Siavati a repris un, un, un chantier ancien, c'est l'étude des marques d'ouvriers sur les blocs de la pyramide royale. Donc un, un inventaire qui avait été entamé il y a longtemps par Paul posner piégé et qu'elle reprend en collectant un grand nombre de marques supplémentaires qui fournissent des éléments très importants sur la chronologie. De cette période, en lien aussi évidemment avec les travaux sur la chronologie égyptienne euh, montés par l'Ifao euh, dans le cadre du, du, du pôle archéométrique. Ancien Empire toujours, avec, euh, on passe à Saqqara Là, on est, on est un peu plus tard dans l'ancien la, dans Empire, la sixième dynastie. Euh, les, les travaux de la mission dirigée par euh, Philippe Colombert ont euh, s'attaquent maintenant à la nécropole des hauts dignitaires du royaume, à la sixième dynastie, donc à côté de la nécropole de Pépi Ier. Et euh, ces travaux ont amené la découverte euh, du mastaba du célèbre Ouni, hein, qui était évidemment bien connu par son monument à Abydos. Euh, et euh, la fouille a livré des fragments de, euh, de ce mastaba avec le nom d'Ouni mais le nom aussi de, de son père et puis d'autres membres de sa fratrie et des fragments de l'autobiographie de ce personnage qui recoupe en grande partie celle qu'on connaissait à Abydos. donc c'est une découverte évidemment exceptionnelle qui va permettre de, de compléter notre connaissance de ce personnage central de la sixième dynastie. La mission de, de Saqqara a également travaillé sur euh, la pyramide d'Ibi, euh, toujours dans la perspective euh, euh, de ses travaux de publication sur les textes des pyramides, hein, qui est à l'origine même de la création de cette mission de Saqqara. Christelle Alvarez a pu compléter euh, la documentation euh, de, euh, des textes de cette pyramide euh, moins connue. Euh, en vue d'une nouvelle édition complète de ces textes. Alors on, on s'éloigne de la capitale et on, on, on rejoint en quelque sorte les marges de l'Égypte en arrivant à Balat. Alors Balat c'est dans l'oasis de, de Darla, c'est un des chantiers phares de, de l'IFAO. Les travaux avaient été interrompus pendant plusieurs années. Euh, suite à des, à des problèmes de, de sécurité dans le, dans le désert occidental. Et euh, à partir de, de 2022, les, les archéologues avaient pu re retourner sur le site et les fouilles ont pu reprendre cette année. Alors pas dans le palais des gouverneurs qui est en grande partie ensablé, euh, donc ça sera pour euh, la saison prochaine, mais au nord du, du site d'Ainazil à la recherche des plus anciennes occupations du site. Et euh, les découvertes ont été à la hauteur des attentes, puisque des niveaux 5e dynastie, donc les, parmi les plus anciens euh, trouvés euh, sur le site, en tout cas pour l'occupation euh, urbaine, euh, ont été euh, mis en évidence avec la découverte notamment aussi de euh, Sélé, euh, portant le nom de Neuserré et le nom d'Ouzerkaf. Et euh, le toponyme euh, euh, Wahat, donc, qui a été lu par Laure Pantelacci sur ses scellés. Donc, cette mission euh, dirigée par, par Georges Soukassian euh, a à la fois relancé les, les travaux et la problématique du site, mais a aussi euh, contribué à la restauration de, euh, des monuments euh, visibles à, à Balat, avec notamment. Euh, le, le désensablement et la restauration de la nécropole de Kila el Daba donc les grands mastabas euh, associés à la ville euh, et au palais des gouverneurs d'Ainazil vous avez ici une image du monument funéraire euh, de Rentika alors on va passer euh, maintenant au, au Moyen Empire avec un site qu'on n'attend pas forcément ici, euh, Hermantes euh, plutôt connu par ses vestiges gréco-romains, mais euh, la mission de, de, de Christophe Thiers a cette année pu mettre en évidence devant le temple d'Hermante une grande plateforme en briques euh, datant du, du Moyen-Empire, euh, qui euh, s'étend largement euh, en bordure euh, du pylône du temple et qui laisse penser qu'il existait euh, dans, sur ce site une très large terrasse en briques crues et terrasses qu'on connaît par différentes documentations textuelles, mais aussi archéologiques. Cette fameuse, ce fameux rouge qui est, rude, qui est euh, caractéristique d'un certain nombre de temples euh, du Moyen Empire, aussi bien à Bidos que d'Endera ou toth euh, Donc, euh, les travaux de, de la mission d'Ermante vont pouvoir euh, redonner, en quelque sorte, toute l'étendue euh, euh, diachronique de l'occupation du site et de l'évolution du temple à travers euh, la mise en évidence de ces niveaux du, du Moyen-Empire. On passe au début de la 18e dynastie avec un autre site euh, qui est exploré par une mission de l'IFAO qui se trouve aussi dans la région thébaine, le site de l'Assassif. Alors là, on est tout proche de la tombe de Paddy MNOP que j'évoquais tout à l'heure. Euh, puisque euh, la, la mission dirigée par Frédéric Collin s'est attaquée à, à, aux alentours de, du pylône de à Ménopée et à la rampe construite par Toutmosis III euh, pour son, son temple funéraire. Euh, vous vous souvenez que les années précédentes, la mission avait découvert un certain nombre de d'objets exceptionnels, des sarcophages, une stèle euh, du début de la 18e dynastie. Euh, et donc là, euh, la mission n'a pas pu travailler euh, sur, le, sur le site pour des questions d'autorisation de, de sécurité, mais elle s'est attachée à exploiter toutes les données qu'elle avait collectées euh, en photogrammétrie euh, pour euh, reconstituer des, des modèles extrêmement précis et recontextualiser en quelque sorte. Les, euh, toutes ces découvertes et ça a amené à, à des résultats euh, très intéressants sur euh, la recontextualisation justement de fragments de tombes qui appartiennent euh, au début de la XVIIIe la dynastie à la fin de la XVIIe dynastie euh, des tombes des contemporains de, de Tétiki. et euh, Frédéric Colin aussi a euh, extrêmement euh, progresser dans euh, l'analyse aussi de témoignages d'un euh, monument euh, d'Amosis qui serait euh, dans, le, dans le secteur. Donc à travers tous les fragments collectés et l'analyse extrêmement euh, fine de toute cette documentation, très fragmentaire, euh, le, les chercheurs vont pouvoir en quelque sorte euh, reconstituer euh, pièce par pièce, un contexte qui était euh, irrémédiablement détruit. Vous voyez un, euh, une image un peu plus détaillée du, des contextes stratigraphiques euh, en, en trois dimensions, avec la localisation aussi de, de, branque, de, de briques estampillées euh, au nom euh, d'Amosis. Je ne peux pas évoquer, ne pas évoquer la, la mission de Derel Médiné, qui est aussi une mission phare de, de l'IFAO, hein, qui, qui s'étale sur deux mois par an euh, chaque année, en janvier-février. Elle est dirigée par Cédric Larcher. Euh, je, je ne peux évidemment pas évoquer toutes les opérations de conservation et de restauration qui sont menées par cette mission. J'en citerai simplement deux. La reconstitution du sarcophage de Pachède à partir de fragments qui étaient conservés au magasin Carter et qui vont pouvoir être remis en place prochainement dans la tombe en reconstituant ce, ce sarcophage. Et puis les travaux menés sous la direction de Catherine Gabler dans la tombe d'Ipui, qui est célèbre par la, la publication de Norman de Garis Davis. On pensait évidemment cette tombe bien connue, mais en fait les, les nouvelles explorations menées... Euh, laisse, euh, ben démontre qu'il y a de nombreux aspects à redécouvrir, de nombreux fragments à collecter, euh, aussi bien d'un point de vue euh, historique, archéologique, mais aussi historiographique, avec des témoignages qui sont euh, donnés sur l'histoire même des fouilles et du dégagement euh, de, de ce monument. Karnak euh, est aussi. Euh, le lieu d'une mission IFAO en partenariat avec le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. donc Sous ma direction et celle de Cyril Giorgi, hein, qui est aussi euh, archéologue à l'INRAP, euh, nous avons cette année travaillé sur la chapelle d'Osiris Oun donc euh, qui est la première des, des chapelles que l'on rencontre quand on prend euh, le chemin qui mène au temple d'Opta de depuis la grande salle hypostyle. Entre 2020 et 2022, nous avions euh, procédé au démontage et la reconstruction de la, de la première porte de la chapelle. Et cette année, nous avons euh, exploré les alentours euh, du Naos et euh, des murs en briques euh, crues avec euh, la, la joie de redécouvrir certains fragments euh, qui euh, appartiennent. À la, à la porte euh, du Naos qui avait été euh, sciée euh, probablement dans les premiers siècles euh, après Jésus-Christ euh, et qui permettent de reconstituer cette chapelle euh, originellement décorée sous la 26e dynastie, donc sous euh, Amasis et euh, Psamétique III. Donc euh, l'étude épigraphique va pouvoir considérablement progresser euh, à, partir de, à partir de ces fragments supplémentaires. Qui ont été collectés euh, par la fouille aux alentours de la chapelle. Un grand bond euh, à la fois dans le temps et, et dans l'espace. On, on fait un petit, un petit survol du, du désert oriental. Alors, euh, vous connaissez évidemment les, les travaux de cette mission, euh, la MAFDO euh, active depuis euh, très nombreuses années. Euh, qui a euh, étudié les, les fortins euh, d'époque euh, romaine, euh, sur, euh, situé entre entre Coptos et, et, et Cosser, enfin entre le, le, le Nil et la Mer Rouge. Et puis maintenant, qui s'intéresse davantage à des euh, installations euh, d'époque ptolémaïque liées à des mines euh, d'or. Donc c'est l'objet du, du programme en cours sous la direction de, de Maël Crépi. Euh, deux sites ont fait particulièrement l'objet d'études. Hein, le site de, de Goza, avec un installat, une installation de, de mineurs, sur lesquels ont été retrouvés de nombreux ostraca mais aussi des, des lingots de métal, qui permettent de, de mieux comprendre la vie de ces mineurs installés enfin, sur place et engagés dans l'exploitation du, du minerai d'or et puis le, pour une époque ultérieure le site de Dere-la-Trache, qui est là un, un lieu de passage sur la, la, la route du mont Porphyrites, qui fait l'objet d'une étude complète par joachim le Baumin et julie marchand donc avec l'exploration notamment cette année d'une grande citerne située dans, dans ce site. On retourne plus au nord avec euh, le Fayoum et euh, le site de, de Teptunis. Euh, donc Teptunis, ça se trouve au sud euh, du Fayoum. C'est un site qui est euh, fouillé depuis 1988 par une équipe conjointe de l'IFAO et de l'Université de Milan sous la direction de Claudio Galazzi. Et euh, depuis quelques années, euh, les fouilleurs étaient euh, engagés dans la recherche d'un temple qui était mentionné euh, sur un, un papyrus démotique. Le temple euh, qui était censé se trouver au bout de la grande rue dénommée Dromos de Tefresoudjiti. Euh, donc, les, 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 année par année, les, les fouilleurs ont poursuivi le dégagement de ce Dromos jusqu'à arriver donc lors des deux saisons précédentes, au bout du chemin, et de trouver effectivement ce temple attendu. Alors évidemment, dans l'archéologie égyptienne, on trouve rarement ce que l'on attend de manière, de manière complète. Il s'est trouvé que ce temple, qui a connu deux grandes phases, une phase début 3e siècle et une reconstruction, à la, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, n'est pas dédié euh, à un dieu comme Mine ou comme Osiris, ou comme Amon, on, ce, dont on aurait pu, ce à quoi on aurait pu s'attendre euh, avec euh, l'épithète Tefresujiti, qui est Taif, Taifresouja qui était plutôt associé à, habituellement à ces dieux. Mais euh, les découvertes qui ont été réalisées notamment un, un crocodile momifié euh, dans, à l'intérieur du temple et des œufs de crocodile en dépôt de fondation ainsi qu'une dédicace à euh, Sokneptunis euh, laissent penser en fait, que ce temple était en fait un autre temple dédié à Sokneptunis sur le site euh, du, de Teptunis euh, et donc euh, l'interprétation de, de ce sanctuaire est à revoir à la lumière de ces nouvelles données. Pas très loin de là, sur le site de, de Philadelphie, euh, toujours dans le Fayoum, euh, la mission dirigée par We Ling Chang s'est attaquée à des installations euh, urbaines euh, euh, qui apparaissent sous euh, des, des dépotoirs et ont mis aussi en évidence euh, une citerne souterraine d'époque ptolémaïque, hein, que vous voyez à droite, une construction particulièrement étonnante euh, dans, euh, dans ce euh, site euh, de, de Philadelphie. Donc un site euh, euh, très vaste, encore en début d'exploration, mais qui euh, laisse euh, de euh, nombreuses perspectives de découvertes en parallèle des découvertes... Également effectuée par Bassem Jihad dans la nécropole de Philadelphie. Je ne peux que brièvement évoquer aussi les travaux de, de nos collègues du Centre d'études Alexandrine. Je sais que Thomas pourrait consacrer une heure entière à exposer le, le bilan du Centre d'études Alexandrine sur l'année écoulée. Je ne peux pas ne pas signaler quand même leur belle découverte de cette tête d'Auguste euh, sur le site de, de Combaig, hein, donc un, un site situé à, à l'ouest d'Alexandrie, euh, qui euh, donne les témoignages d'un temple hein, qui remonterait à la troisième période intermédiaire et qui euh, dont l'évolution se poursuit jusqu'au jusqu premier siècle après Jésus-Christ. Et donc cette magnifique tête, tête de l'empereur Auguste sera euh, l'objet d'un article dans le prochain euh, BIFAO BIFAO 123, le bulletin de l'Institut euh, qui euh, paraîtra le mois prochain pour l'époque copte euh, je n'ai pas d'image de fouille à montrer puisque la, la saison de Bawit n'a pas eu lieu cette année mais je peux signaler en tout cas que euh, un ouvrage collectif consacré au monastère euh, de Bawit et sous presse paraîtra dans quelques jours euh, sous la plume de Florence Calamant et Gisèle Adjimi Naglou, qui regroupe un grand nombre d'études sur euh, les euh, apports récents de euh, l'archéologie euh, copte sur ce site de Bawit. Et enfin, pour terminer le, le parcours chronologique, on arrive à l'époque ottomane avec les, les travaux euh, menés sous la direction de, de Ahmed El-Shoki l'université dein euh, qui travaille sur le site de la citadelle de kalatsher Hamam. Ça a été l'occasion, ces euh, travaux sur, sur cette citadelle, donc, qui, qui explore en quelque sorte la configuration euh, des installations domestiques dans, dans ce site, d'organiser euh, aussi une field school euh, qui a duré euh, deux semaines, pour la formation de, de jeunes archéologues, a participé, euh, à laquelle a participé également le responsable du pôle archéologie de l'IFAO, Joachim Lebaumin. Je termine par quelques opérations de, de valorisation et de restauration. Euh, restauration et conservation d'abord, euh, avec un, un très beau projet euh, pour lequel vous avez pu voir peut-être une vidéo en ligne qui a été publiée tout récemment la restauration des panneaux de bois euh, au nom désiré hein, un des, des monuments phares du, du musée égyptien de, de Tahrir euh, avec euh, donc une collaboration entre le pôle archéométrie euh, dirigé par Anita Kiles euh, et le, le musée égyptien de Tahrir et donc je salue aussi son directeur Ali Abdel Ali, et puis sa précédente directrice, euh, qui avait initié le, le projet, euh, Sabah Abdelrazik. Euh, le projet, en quelque sorte, a pris de l'ampleur avec le soutien également aussi de l'Institut français d'Égypte, hein, puisque on ne s'est pas contenté de restaurer les panneaux, mais on a voulu les remettre en contexte dans une salle du musée avec la euh, reconstruction d'un d'un mastaba virtuel, enfin réel, mais. mais euh, qui reprend en quelque sorte la configuration du, du mastaba initial, d'après les témoignages archéologiques de la publication de Cuivelle, notamment, en essayant aussi de retrouver les peintures originelles. Il y a eu plusieurs tests réalisés très près d'ici, sur le parking de l'IFAO, pour retrouver les, 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 la technique originelle et les, les couleurs originelles. Et donc, on espère une inauguration prochaine de euh, cette belle réalisation au musée du Caire euh, du Mastaba Désiré. Je terminerai aussi par euh, le Visitor Center de Tanis, qui a été une de nos réalisations majeures cette année, en collaboration avec le ministère du Tourisme et des Antiquités, la mission française des fouilles de Tanis. Euh, donc, un Visitor Center qui a été inauguré par l'ambassadeur de France le 10 décembre 2022. Euh, avec le euh, docteur Mustafa Waziri. Euh, euh, donc, maintenant, un lieu d'accueil pour les touristes euh, qui vont visiter le site de Tanis avec des panneaux explicatifs en trois langues, français, euh, anglais, arabe, qui donnent l'histoire du site, l'histoire des fouilles euh, et euh, qui euh, permettent de, de comprendre en quelque sorte ce magnifique site de Tanis qui a livré cette découverte fabuleuse des euh, tombes royales de la troisième période intermédiaire. Voilà pour ce panorama. Évidemment, j'associe à cette présentation tout le personnel de l'IFAO qui est évidemment est à, la, à la source de toute la, la production de, de ces résultats, de ce savoir. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, alors nous allons passer à la deuxième, deuxième phase de cette, de cette journée de l'archéologie avec la, la table ronde consacrée à, à l'archéologie préventive. Euh, J'ai le grand plaisir d'accueillir celui qui va d'abord prononcer une conférence introductive et qui est en quelque sorte l'invité d'honneur aussi de notre journée, Dominique Garcia, président de, de l'INRAP. Dominique, si vous voulez venir. Alors, euh, donc Dominique Garcia est président de l'Institut national de recherche archéologique préventive en France. Il est professeur des universités, ancien membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste des sociétés protohistoriques de Méditerranée nord-occidentale et de leurs relations avec les Étrusques, les Puniques, les Grecs et les Romains. Et ses recherches portent sur l'urbanisme, l'architecture et l'économie de ces sociétés, ainsi que sur l'ethnogénèse et les dynamiques de peuplement des territoires. Alors aujourd'hui, il va plutôt nous parler de, de ce qui est au cœur de son activité d'administration de, de la recherche, en quelque sorte, à l'INRAP, et euh, introduire en quelque sorte la question de, de l'archéologie préventive à travers l'exemple de, des activités de cet institut en France, ce qui nous amènera ensuite, dans une deuxième phase, à débattre sur euh, euh, l'archéologie préventive dans le miroir entre euh, la France et l'Égypte. Dominique, je vous laisse la parole. Pas mieux que voilà. ouais, Mais du coup, on est à la ferme. Pas bon. voilà. Super. Bonsoir à, à toutes et à tous. Merci beaucoup à, à Laurent Coulant et à l'IFAO pour cette pour cette invitation. Je suis aussi honoré qu'impressionné, et puis voilà très très heureux également d'échanger avec mes collègues égyptiens, les, les grands noms et les, les responsables de l'archéologie égyptienne, mais aussi les, les étudiants et, et, et les jeunes et les jeunes chercheurs. J'avancerai très modestement dans cette exposé parce que c'est l'occasion, fait le, fait le larron, c'est en tant que, que président de l'INRAP que je viens vous proposer euh, ce, cet exposé sur l'archéologie préventive. Mais bien entendu, c'est des, des sujets que vous connaissez euh, bien, sur lesquels on essaiera de débattre tout à l'heure, de croiser nos expériences. Mais euh, l'expérience de la France, vous verrez, en, en, dans le domaine de l'archéologie, de la protection du patrimoine. Et, et même de l'archéologie préventive est encore une expérience naissante dans laquelle il y a beaucoup à faire. Et moi personnellement, je crois beaucoup au transfert de, de, de connaissances, à, à l'échange pour avancer tous dans ce qui est le patrimoine commun et une lecture et une écriture plus large de la connaissance historique. Donc je vais balayer un petit peu le, les sujets sur l'apport. De l'archéologie, de l'archéologie préventive. Premièrement, pour dire, voilà, le, cette, cette gravure, c'est celle de, euh, qui représente euh, Victor Hugo. Et Victor Hugo, en fin de compte, est euh, quelqu'un qui a été euh, le premier à introduire un manifeste pour conserver l'archéologie. En lien avec les travaux d'aménagement, c'est en 1825, un moment en France où on réaménage et on reconstruit beaucoup la ville de Paris, et où Victor Hugo, donc l'écrivain, le politique, le pamphlétaire également dans cette occasion, voit la destruction du Paris médiéval et publie donc un ouvrage, un article qui restera célèbre et qui s'intitule « Guerre aux démolisseurs ». Donc le personnage public de Victor Hugo euh, s'impose pour dire il y a ce patrimoine euh, du Moyen Âge dans Paris qu'on est en train de détruire pour reconstruire la, la ville. Cette euh, déclaration de guerre euh, pacifique de, de Victor Hugo euh, contre la destruction du patrimoine de, la, de, de Paris aboutira en 1834, à euh, la création euh, d'une un, institution que l'on appelle les monuments historiques, qui a pour but le classement, la préservation, l'étude et la conservation d'un patrimoine, on pourrait dire un patrimoine officiel. Ce, le premier inspecteur euh, du, des monuments historiques va être euh, Prosper Mérimée. En 1834, qui donc va avoir à gérer des sites sur lesquels on va mettre en place une protection. Ces sites-là, théoriquement, aujourd'hui comme dans le passé, sont protégés, ne peuvent être détruits, y compris pour construire des aménagements. Ceci dit, et c'est quelque chose qui est important, euh, on aura en tête qu'aucun site, même s'il est inscrit, même s'il est protégé, est totalement éternel. La notion d'éternité est un vocabulaire religieux, n'est pas un vocabulaire public en tant que tel. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'un site est éternel et qu'il est protégé qu'ensuite il va l'être en tant que tel. Mais en tout cas, au moins 1834, on commence à protéger les sites. Et ensuite, le, la, la loi sur l'archéologie sera extrêmement lente en France. Il faudra attendre 1941, alors que la France n'était plus en soi une république, pour qu'une loi soit mise en place. 1941, loi qui sera approuvée en 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale et après que le régime de Vichy euh, n'existe plus. Et en 1945, donc, cette loi vise à protéger les vestiges archéologiques enfouis et à obliger, lors de la découverte, de déclarer la présence de vestiges archéologiques et d'obliger également les archéologues à demander des autorisations pour fouiller. Donc vous voyez, 1830, on protège les sites en élévation, 1841, on commence à protéger les sites dans le sous-sol en disant, on déclare quand on trouve quelque chose et on demande si on veut les fouiller. Mais ces deux éléments ne suffiront pas puisque dans les années que l'on appelle en france les 30 glorieuses les 30 ans glorieux c'est à dire essentiellement les années 50 les années 60 une partie des années 70 la france va se moderniser va se s'aménager de manière forte et vont surgir des grands chantiers euh, d'aménagement dans les villes pour les moderniser où on va être confronté à l'archéologie Bien souvent, d'ailleurs, ce n'est pas la force publique, ce n'est pas l'État qui va dire on va fouiller, c'est souvent les citoyens qui vont être horrifiés par les destructions et qui vont imposer les fouilles. Donc je vous présente des, les principales fouilles. En haut à gauche, la fouille sur le parvis de Notre-Dame de Paris. En bas à gauche, la fouille qui a été réalisée à Marseille, donc une ville de, du sud de la France, en lien avec l'aménagement d'immeubles. Et puis une fouille assez symbolique, peut-être à la fin de ces grandes opérations de fouilles imposées un petit peu par les citoyens, c'est la fouille au cœur de, du musée du Louvre, liée à l'aménagement voulu par le président Mitterrand, avec les aménagements et la fameuse pyramide, un clin d'œil à l'Égypte, aménagée au cœur du Louvre. Ces grands chantiers. Qui vont être imposés presque par la, la force publique au centre de la cité vont poser un double questionnement à la fois euh, celui comment gérer la fouille d'aussi grand et vaste espace et puis comment la financer et donc parce que aucun de ces chantiers n'est un modèle pour tout dire le chantier du Louvre rien n'est encore totalement inventorié, et rien n'est publié le chantier de Marseille commence tout juste 70 ans après, à avoir des informations qui surgissent, et le chantier devant Notre-Dame est aussi pas étudié. C'est-à-dire que les archéologues ont manqué de moyens. Et ce système de l'archéologie préventive, dont je vais parler plus précisément maintenant, consiste à réfléchir à comment concilier l'aménagement du territoire, dont on a tous besoin, et la connaissance du passé comment on peut à la fois se moderniser tout en recueillant des informations souterraines liées à l'archéologie. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, comment peut-on financer ces opérations d'ampleur qui ne sont pas des opérations que l'on peut financer grâce aux moyens traditionnels de la recherche, ce qu'en France on appelle les fouilles programmées, qui sont peu ou prou les opérations de mission. Que l'on a vu, par exemple, pour l'Égypte, c'est-à-dire des chantiers dans lesquels des chercheurs travaillent sur de nombreuses années, souvent avec des étudiants, des laboratoires à ciel ouvert, sur des zones qui ne vont pas être détruites, aménagées. C'est-à-dire, on a conservé en France les fouilles programmées, les missions, on a conservé les sites classés monuments historiques, et puis on a mis en place cette archéologie préventive en lien avec les travaux d'aménagement. Alors une carte pour nous rassurer, pour nous dire que le, la France a quand même son patrimoine officiel, son patrimoine préservé. Les sites classés monuments historiques sont plusieurs dizaines de milliers, je crois autour de trente mille. Ça fait beaucoup de patrimoine quand même qui est conservé, préservé, restauré. Et ensuite, on a bien entendu des, des, des sites classés au titre du, de l'UNESCO, et donc là aussi qui sont par définition classés, valorisés. Ça, c'est un peu la, la carte, on va dire, du patrimoine officiel. Mais ceci dit, gardons en tête ce que je vous disais tout à l'heure, que même ce patrimoine officiel aujourd'hui peut être endommagé. Euh, quelques exemples, euh, voilà, le, on en parlera tout à l'heure. Notre-Dame de Paris, malgré toutes les moyens de classement, la cathédrale a subi des dommages très importants. Euh, la grotte Cosquer, qui est une grotte préhistorique, mais qui est mise en danger par les battements du niveau de la mer. Donc là aussi c'est pas parce qu'on classe qu'on doit protéger. Et puis troisième exemple qui est un amphithéâtre romain, celui de Nîmes, mais qui en fin de compte un petit peu comme la barque de Thésée, chaque année des blocs sont enlevés, on en remet des neufs, on aménage pour des raisons de sécurité ou autres et en fin de compte, même si le patrimoine est classé, il est modifié et mis en danger. Par sa propre restauration et par son propre aménagement. Donc en 2001, la France a fait voter une loi sur euh, l'archéologie la, préventive, qui est euh, un modèle relativement simple, qui a mis longtemps à être mis en œuvre, qui aujourd'hui est relativement. fonctionne bien. Je le dis modestement, mais c'est le cas. Je soulignerai quand même tout à l'heure les points de difficulté, les petits écueils. Le système est simple. Pour chaque mètre carré qui est aménagé en France, construction d'une maison, d'une route, d'une école ou d'une prison, pour chaque mètre carré, l'aménageur doit payer un demi-euro qui est versé à l'État pour financer l'archéologie préventive. Donc s'il y a des vestiges ou qu'il n'y en a pas, de toute façon, chaque mètre carré produit de l'argent qui vient dans les caisses de l'État. Pour tout dire, mais ne le répétez pas, personne ne nous écoute, aujourd'hui, cette redevance, cet impôt, rapporte plus que ce qui aujourd'hui est remis dans le circuit de l'archéologie. Donc on peut dire que ce dispositif participe à l'équilibre des comptes de l'État, même si cet impôt n'était pas fait pour ça. Mais en France, on fabrique des impôts parfois aussi qui ne sont pas destinés systématiquement à ceux dont il a été prévu au départ. Donc il y a ce système-là, donc une ressource qui est mise en place par rapport à l'aménagement. Et ensuite, chaque aménageur, celui qui porte un projet de construction, une route, un gazoduc, des éoliennes, une maison, une école, est obligé de déposer un dossier pour signaler ses travaux. Et à ce moment-là, l'État, les services des préfectures, les services des antiquités dans les régions, disent si l'endroit où on va aménager est susceptible d'être intéressant d'un point de vue archéologique. Si cet endroit est susceptible, c'est-à-dire on pense qu'il peut y avoir de l'archéologie, on impose un diagnostic, un sondage, qui permet de voir si les vestiges archéologiques sont bien là, s'ils sont conservés ou s'ils ne le sont pas, et s'ils sont conservés et qu'on veut aménager, comment on doit constituer une équipe et le temps que devra durer l'opération pour pouvoir sauver ces vestiges avant que l'on construise. Ça va, j'espère que j'ai été clair dans la, la présentation. Et donc, ce système, au départ, a été essentiellement testé sur des grands linéaires, des constructions de routes, d'autoroutes, de voies ferrées, qui, en quelques années, dans les années, euh, la fin des, des, des années 1990 et surtout les années 2000 et 2010, ont permis en fin de compte d'établir de véritables sondages linéaires des transects qui ont permis d'explorer la France, un petit peu ce que vous avez là, vous avez la carte des autoroutes et la carte des voies ferrées, mais c'est enfin également aussi la carte sur laquelle ont été réalisées ce que j'appelais tout à l'heure les diagnostics, les tests. Et donc sur ces espaces-là, on a pu voir s'il y avait des vestiges, s'il n'y en avait pas, s'il fallait les étudier ou pas. C'est-à-dire que depuis 20 ans qu'existe ce dispositif, la France a été perçue, grâce à l'INRAP, grâce à cette mise en œuvre, comme étant un vaste site archéologique. Quand on voit cette carte, c'est comme si on faisait des sondages à l'échelle d'un site, alors qu'on le fait à l'échelle d'un pays. Et cette archéologie-là touche bien entendu des monuments touche également une étude des terroirs et des paysages, vu que dans ces grands transepts et dans ces grands sondages qui sont faits sur des grands linéaires, les routes et les voies ferrées, on a pu aborder aussi les limites antiques, médiévales, des sites, euh, des champs, des routes, des nécropoles, des sanctuaires, de l'habitat. Donc c'est toutes les formes d'objets archéologiques, de sites archéologiques qui ont pu être détectés grâce à cette mise en œuvre. Au départ sur des grands linéaires, sur des travaux publics. Et donc, ça, ce dispositif mis en place sur les tracés de voies ferrées ou d'autoroutes ont eu des vertus pédagogiques, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas une gêne pour le citoyen, et au contraire, on avait l'impression qu'on redécouvrait l'histoire de la France avant la France au gré de ces aménagements. Et même pour ajouter un petit élément positif, souvent l'archéologie. A été dans ses grands travaux, et ça continue à l'être, des moyens d'accepter pour les citoyens ces modifications. Parce qu'en fin de compte, sur ces grands travaux qui détruisaient des paysages, qui parfois déplaçaient des populations, ce n'était pas l'aménageur, ce n'est pas le monsieur qui. Enfin, l'entreprise, pardon au traducteur surtout, ce sont pas les entreprises qui arrivaient en premier. Avec les pelles mécaniques, ce sont les chercheurs. Et donc, euh, l'archéologie avait presque une, une démarche pacificatrice. Les gens qui arrivaient sur le terrain étaient des gens qui produisaient de la connaissance et pas des gens qui détruisaient des paysages. Inciné, les archéologues partis, il y a des autoroutes, des TGV, des gazoducs, des éoliennes, des ronds-points et des plateformes d'Amazon. Mais en premier lieu, c'est les archéologues qui étaient là. Et donc, le dispositif. A été aussi accepté par les aménageurs parce que c'est les archéologues qui, en premier lieu, négociaient l'appropriation du terrain. Alors, quand je vous dis que c'est la France qui s'est transformée en grand site archéologique, c'est une formule, pardon, mais ce n'est pas très loin de la réalité. La carte en bleu que vous avez, qui est inédite, que j'ai présentée pour, pour cette présentation, c'est la carte où depuis 20 ans, l'INRAP est intervenu pour réaliser les diagnostics et les fouilles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette carte, tout ce qui est bleu, c'est l'endroit où des archéologues sont intervenus pour étudier le sol. C'est 50 000 sites. Et cette carte à gauche, je me suis mis, j'ai mis juste comme ça, euh, en, en relief, ça colle pas, tout, en, en miroir, ça colle pas tout à fait. C'est la carte des dynamiques migratoires, des surplus de population ou des affaiblissements. Et on voit que l'endroit où il y a du bleu, c'est l'endroit où la France, entre guillemets, s'est modernisée, les routes, les autoroutes, l'endroit où il y a eu un essor démographique, l'endroit où des villes se sont développées. Et donc euh, voilà, le pari aujourd'hui a été gagné, 20 ans d'archéologie préventive, c'est 20 ans d'accompagnement de l'aménagement et 20 ans où on a accumulé des données permettant de lire une autre histoire de la France, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Alors je vous disais, les éléments les plus marquants, c'est les diagnostics sur les grands euh, secteurs, c'est aussi bien entendu de plus en plus aujourd'hui parce que la France a arrêté les grands aménagements quoique on est en train de faire un grand canal dans le, dans le nord de la France euh, les aménagements aujourd'hui sont des aménagements parfois de 1000 mètres carrés d'un hectare de 5 ou de 10 hectares qui touchent les secteurs urbains et donc après avoir une phase où l'inrap l'archéologie préventive s'est développée sur des grands linéaires, Aujourd'hui, on se rapproche d'études un peu plus ponctuelles au centre-ville, dans les bourgs, dans les banlieues, liées à ces aménagements plus ponctuels. Cette démarche a permis de créer de l'emploi, vu que c'est de l'archéologie qui est financée, pas par la recherche, pas par le tourisme, mais par l'aménagement. Et donc aujourd'hui, l'INRAP, c'est 2200 archéologues. Qui sont des spécialistes de différentes périodes qui travaillent sur le terrain, avec des niveaux de qualification très variables. Euh, sur les 2200, seuls 10% sont des gens qui ont un titre de docteur, euh, mais euh, en revanche, de nombreux ont des compétences fortes mises en œuvre tous les jours. Ce. Pour rééquilibrer ce que j'ai dit, euh, le, cette France archéologique n'est pas une France où on voit des archéologues de partout. Euh, le choix des terrains est effectué. En France, chaque année, on aménage 700 km. Il n'y a que 8% de ces 700 km qui font l'objet de diagnostics et environ 20% des diagnostics c'est-à-dire 2% des 700 km qui font l'objet de fouilles. Donc vous voyez, c'est une archéologie qui est partout, mais qui est imposée qu'aux endroits où on estime que des informations seront tirées. Je passe rapidement sur la, la répartition spatiale de ces diagnostics. Rappelez qu'elles touchent les grands linéaires, les villes, où les enjeux sont très forts aujourd'hui, mais elle le touche aujourd'hui de plus en plus parce que la loi s'applique aujourd'hui également dans le domaine maritime et or il y a de gros enjeux d'aménagement entre guillemets du domaine maritime aujourd'hui, les éoliennes que l'on construit en mer, on a beaucoup de problèmes d'énergie en France, des câbles sous-marins liés à à la diffusion des données Internet, euh, des aménagements. Donc aujourd'hui, la loi s'applique également sous l'eau et on commence à travailler là aussi dans ce domaine-là, qui est un vaste, un vaste domaine. L'étape essentielle de cette archéologie préventive pour pouvoir programmer les chantiers, pour pouvoir estimer le prix, pour pouvoir monter les équipes scientifiques, c'est le diagnostic. C'est la documentation. On a vu tout à l'heure les tranchées, un peu brutales, mais souvent qui donnent beaucoup d'informations. Et puis, en plus de ces tranchées, aujourd'hui, on pratique ce qu'on a vu tout à l'heure dans quelques images que vous connaissez, qui sont la télédétection, l'archéomagnétisme, le radio-radar, etc. Ces éléments qui permettent d'avoir une image du sous-sol, donc des méthodes non-invasives pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol avant d'intervenir. Voilà des exemples. C'est des méthodes aujourd'hui relativement simples, menées en interne à l'INRAP par des ingénieurs, et qui permettent d'avoir une image dans le sous-sol avant de fouiller, et donc de programmer, voir ce qui est utile, éventuellement de faire modifier le plan d'aménagement pour qu'on dise, là, il y a des vestiges archéologiques, là, il n'y en a pas. Essayez plutôt de déplacer ou d'organiser l'aménagement. Comme ça, on n'aura pas besoin de fouiller et on conservera des vestiges. Donc, voilà des, des exemples qui ont été réalisés sur des aménagements et dans lesquels, aujourd'hui, grâce à ce géoradar, on arrive, par passes de 20 cm, à établir une stratigraphie théorique et retrouver les différents vestiges. C'est relativement rapide, c'est moins coûteux que des interventions manuelles. Ensuite, le problème, c'est l'interprétation, parce que ce n'est pas l'image qui permet d'être interprétée, bien entendu, automatiquement, vous le, vous le savez bien. Je passe rapidement sur ces, sur ces images, mais qui permettent aujourd'hui, jusqu'à 4 mètres de profondeur, d'aller plus loin. On le fait également sur des linéaires pour retrouver des informations et donc programmer l'opération archéologique et donc enregistrer au maximum les, les données et les centraliser. L'étape du diagnostic est essentielle. L'élément, effectivement, je vous disais tout à l'heure, le plus, le plus élément, le plus direct, c'est le sondage direct à l'appel mécanique. Et puis, l'élément essentiel par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans les, les belles missions de l'IFAO et de ses partenaires pour l'INRAP, c'est de documenter l'information. Parce que là, littéralement, tous les sites que nous fouillons, plus de 2000 sites par an, sont des sites qui sont fouillés du haut vers le bas, c'est-à-dire qui sont totalement démontés. Je n'utiliserai pas le terme détruit, mais en tout cas, le site, en réalité, n'existe plus à la fin de l'opération archéologique. Donc le travail de documentation est extrêmement important, vu que le principe de l'archéologie préventive, c'est la restitution par l'étude, c'est-à-dire on fouille totalement, et ensuite on ne verra plus rien sur le terrain, il y aura un aménagement, et le travail de l'archéologue sera de restituer les données donc les éléments, euh, voilà, sont aujourd'hui de prise de vue, de, de, de modélisation d'éléments que vous avez tous en tête pour capter les informations sont essentielles. ça fait aussi beaucoup, beaucoup de données et ça fait partie des points faibles que je listerai in fine mais que je peux vous glisser là au milieu ou presque dans la deuxième tiers de ma conférence. Euh, c'est que aujourd'hui, tous ces sites qui ont été fouillés par les archéologues constituent des archives extrêmement importantes, mais qu'on essaie nous de libérer au maximum, de partager avec les chercheurs, parce que cette archéologie n'a de sens que si ensuite elle produit du savoir et qu'elle est partagée. Et donc tous les rapports de l'INRAP aujourd'hui sont mis en ligne sur Internet. Les données, on essaie aujourd'hui de leur faire un contrôle qualité et ensuite de les restituer, de les partager avec les étudiants, les chercheurs, parce que l'équilibre pour nous chercheurs et l'équilibre pour la société sera quand les chantiers que l'on aura menés seront tous exploités de manière directe ou plus large par euh, maximum de chercheurs. Je passe sur la, la documentation pour donner Aujourd'hui, voilà, la documentation on le va du site dans, sa, dans sa, toute sa surface jusqu'aux objets, parce que là aussi tout sera récupéré et tout ne sera pas présenté dans les, dans les musées et également pour les éléments sous-marins, je l'évoquais tout à l'heure, le, le dispositif d'un point de vue administratif, qui est une faiblesse, est que l'aménageur, celui qui construit, va payer la fouille, mais ce qu'on appelle en français le service fait, c'est-à-dire la fin du contrat avec la personne qui paye, c'est la remise du rapport de fouille, C'est pas la publication. Ce n'est pas le partage avec le citoyen, c'est la remise du rapport de fouille. Donc vous voyez, l'aménageur paie la fouille, paie l'étude, mais ne paie pas la publication scientifique, ne paie pas la restauration, ne paie pas la présentation au public. Donc là aussi, il y a du retard dans ce partage des informations. Alors bien entendu, nous, on essaie de donner du temps à nos chercheurs. Le ministère de la Recherche nous aide un petit peu, mais pour être honnête, ici comme je le suis à Paris, j'espère, il y a un déficit aujourd'hui entre les données qui sont prélevées et les données qui sont exploitées scientifiquement. Donc, ça, il faudra, il faut l'avoir en tête. Euh, aujourd'hui, le grand défi, c'est qu'on arrive à retrouver un équilibre et que ce dispositif ne se fasse pas uniquement au bénéfice de l'aménagement, mais bien de la connaissance et du partage. Et c'est ma mission essentielle pour moi à l'INRAP, de pousser au maximum dans les publications régionales, nationales et internationales, et de participer à, à la valorisation par des expositions, par des colloques, et nourrir en fin de compte un grand travail de, de médiation. C'est ce qu'on est fait. Cette faiblesse... Euh, du, encore le déficit pardon, de restitution vers le public est réel, je l'avoue. En revanche, il a une particularité, une singularité qui me paraît notable, c'est que cette valorisation scientifique, culturelle, ce partage de la connaissance, se fait partout sur le territoire. Les gens voient de l'archéologie en train de se faire, pas uniquement dans les musées, pas uniquement dans les sites patrimoniaux, mais ils voient de l'archéologie se faire à côté de leur maison, dans les milieux urbains, favorisés ou défavorisés, dans les zones rurales, dans les zones éloignées. Partout en France, il y a des sites archéologiques, alors que partout en France, il n'y a pas de musée. Et donc, on essaie de faire de nos sites archéologiques des endroits où on rencontre les citoyens, où on met en œuvre des expositions. Voilà, à partir de, du 15 juillet, on va faire une grande exposition dans, le, dans un grand couloir à Paris de métro, le couloir Montparnasse, où on va présenter l'archéologie à des millions de personnes dont une grande part ne sera pas intéressée, mais en tout cas, on ira, en... c'est une archéologie qui va à la rencontre des citoyens. Et une archéologie préventive qui aussi a nourri de nombreuses problématiques sur le paléo-environnement, des sujets sur lesquels vous êtes sensibles, sur des espaces que l'on explorait peu. On a fouillé, la France est présente en Amérique, en Guyane, dans les Antilles. La France est présente dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte. Et on fait de l'archéologie dans ces régions et on partage avec les pays, avec les nations voisines. Voilà, des fouilles urbaines qui ont révolutionné un petit peu l'histoire de la ville un petit partout en France j'accélère, des résultats importants sur des grandes surfaces, là où souvent au CNRS, à l'université, on fouille sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres carrés, là on peut fouiller sur des dizaines de mètres carrés, une importance de découvertes qui vont directement enrichir les musées, des fouilles de qualité qui ont été menées dans des endroits où il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de fouilles importantes, notamment en Corse une fouille importante que je vais voilà, vous balayer pour montrer l'ampleur. On est dans la région, une fouille rapide, je vous la prendrai rapidement, mais qui va donner l'exemple et le contre-exemple. C'est une fouille qui a été réalisée euh, dans la région Champagne, dont le nom résonne, je pense, un peu partout dans le monde, euh, à côté de Troyes. Et cette fouille a permis de découvrir une tombe celtique de 4 hectares en surface, donc un grand espace euh, et au centre de cet espace entouré de fossés fouillés de manière mécanique on a pu découvrir la tombe d'un prince celte du 5 e siècle avant Jésus-Christ parfaitement conservée cette fouille est d'une qualité euh, la, pardon la tombe est d'une qualité équivalente de, de tombe trouvée de ce type là en Suisse ou en Allemagne par exemple à Ordorf euh, et en France, il y a fort à parier qu'en Allemagne ou en Suisse, un site comme ça aurait été classé monument historique et on n'aurait pas implanté un supermarché dessus. Aujourd'hui, ce système d'archéologie préventive est tellement efficace, on a tellement bien travaillé qu'il n'y a plus de doute. Il y a un site, on le fouille et il y aura le supermarché. Bon, ça oblige l'archéologue, euh, voilà, quand je dis ça, j'espère ne pas. Trop me tirer une balle dans le pied, comme on dit en français, mais voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand même. Donc, une découverte spectaculaire avec, bon, en Égypte, vous avez bien d'autres trésors, mais en France, une belle tombe celtique avec un torcanor, avec des, des bracelets, avec du mobilier en lignite, avec un, un vase ou étrusque ou grec, un grand chaudron, avec des représentations du dieu Achelos, avec une œuvre unique au monde qui est un, un vase attique mais dont le pied a été remplacé en céramique, a été remplacé par un, un pied en or. Et puis voilà, donc une découverte, je pense, de niveau mondial, euh, équivalente à celle qui avait été trouvée à Vix, et qui a permis donc de documenter euh, la, la tombe d'un riche prince du 5 siècle avant Jésus-Christ. La fouille a été très bien menée, le mobilier aujourd'hui restauré, il va être présenté à trois sur place et va faire l'objet d'une exposition itinérante nationale et donc là je pense qu'on a tout bien fait et la publication va paraître à la fin de l'année dans Galia donc on aura bien fouillé, on aura bien étudié, on aura bien partagé mais la responsabilité était forte parce que je vous dis, dans d'autres pays européens, on aurait gardé le site in situ ce type d'archéologie permet aussi de redonner des contextes à des fouilles qui avaient été plus anciennes. Mettons l'équivalent de Lavaux, dont je vous ai parlé, et la tombe de Vix, qui avait été trouvée dans les années 50. Mais en France, en 1950, on trouve une tombe de ce type-là, très très belle. On prend le vase, on prend les objets et on n'étudie pas le site. Et donc ce qu'on a pu faire, c'est qu'à l'emplacement de la tombe de Vix, à l'emplacement du chaudron, il y a deux ans, on a appliqué les méthodes de l'archéologie préventive pour redonner un contexte et on a retrouvé donc la chambre funéraire et le tumulus dans lequel avait été trouvé, 60 ans auparavant, le vase de Vix. Donc vous voyez, cette archéologie préventive, cette archéologie de l'urgence, de l'aménagement, grâce à ces méthodes, grâce à ces moyens permet aujourd'hui de venir appuyer une archéologie traditionnelle, une fouille programmée, celle des missions qu'on a vues tout à l'heure et donc il y a une expérience qui aujourd'hui est intéressante pour ma part l'archéologie est unique et seule et donc voilà, passer de l'un à l'autre est assez naturel. Voilà, et en plus la fouille de Vix a permis de découvrir des vestiges elle a aussi des capacités d'intervention qui sont intéressantes. Alors, je terminerai par voilà. Je vous citais Notre-Dame de Paris, un monument important pour les Français, mais également pour le, le patrimoine de l'humanité. Cet incendie terrible et dans, tout de suite après, les archéologues de l'Inrap ont dit ben :« Nous, on va être là. » pour participer à la restauration de Notre-Dame de Paris et pour sauver ce qu'on peut sauver. Et c'est une entreprise qui a été intéressante parce que ça a été de l'archéologie préventive dans un bâtiment qui était classé, mais malheureusement brûlé, et dans lequel les archéologues ont pu à la fois donner une histoire plus longue, plus importante, plus riche que celle qui était connue du bâtiment avant qu'il ne... Flambe avant qu'il ne brûle, et ensuite utiliser, avoir des données qui permettent la reconstruction, la restauration du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est rentré les premiers dans l'édifice après l'incendie, avec des mesures de sécurité qui étaient extrêmement importantes, parce qu'il a fallu être équipé. Euh, de, pour se protéger contre la pollution du plomb, parce que tout le toit de Notre-Dame était en plomb et avait fondu. Donc ça posait des gros problèmes. Eh bien, on a suivi des contrôles stricts. Et les archéologues ont fouillé, c'était la première fois que c'était fait en France, l'effondrement de la cathédrale pour étudier l'effondrement, non pas comme des déblais qu'il fallait jeter, mais comme des éléments qui pouvaient nous renseigner pour la reconstruction. Donc, on a étudié les matériaux, l'origine du calcaire, l'origine du bois, les techniques de construction, et donc on a constitué des éléments pour le cahier des charges des architectes et euh, de la maîtrise d'ouvrage, des gens qui étaient là pour restaurer et pour reconstruire. On a également profité de la cathédrale malheureusement vide pour faire du géoradar et de la géophysique. On a retrouvé le rempart de Paris du Bas Empire, on a vu quelques murs, probablement des vestiges romans sous Notre-Dame, et puis la plus grande fouille a eu lieu à la croisée du transept, un endroit où on devait construire, où on a construit un grand échafaudage pour pouvoir restaurer la flèche de Notre-Dame, et là euh, on a fait une découverte extraordinaire, vu que euh, à l'emplacement de ce Croisée d'ogives, on a découvert un monument dont on avait quasiment oublié l'existence, qui est ce qu'on appelle un jubé dans les églises jusqu'au XVIIIe siècle. Les personnes qui étaient les fidèles ne voyaient pas les officiants et étaient cachées donc du cœur par une construction sculptée ornée. Au XVIIIe siècle, il y a un changement de rituel, je, je résume, et euh, ces éléments sont détruits. Et donc aujourd'hui, dans une église, dans une cathédrale, les fidèles voient le prêtre, voient l'évêque, etc. Les éléments du jubé de Notre-Dame avaient été cassés, mais n'ont pas été jetés, parce qu'ils avaient encore un, un poids sans doute religieux et symbolique fort, et ils avaient été enfouis à la travée, à la, au croisement du travée. On en connaissait un dessin. Et on connaissait trois ou quatre fragments qui avaient été trouvés au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, par des ouvriers d'Ovied-le-Duc. Et là, la fouille a permis de retrouver 400 fragments du jubé, qui sont de la sculpture gothique de très grande qualité, qui a gardé la polychromie, qui était totalement inédite. Et donc là, vous voyez, c'est un peu la démonstration que je vous ai tout à l'heure. Cette fouille-là donne une histoire encore plus riche à Notre-Dame avant l'incendie, va pouvoir permettre de faire une restitution de ce jubé, voire pourra sans doute le jubé être présenté dans un musée. Voilà des fragments avec la repentation du Saint-Sépulcre notamment, des traces de peinture alors qu'on ne les connaissait pas du tout, et 400. Qu'est-ce de ce jubé qui ont été récoltés Je passe rapidement là-dessus. Des sarcophages qui ont été découverts là aussi, qu'on a prélevés et qui sont étudiés aujourd'hui par une équipe de scientifiques à, à Toulouse avec, et qu'on a prélevés avec toutes les précautions qui étaient, qui étaient, qui étaient d'usage. Dernier élément euh, fort de cette archéologie préventive, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elle efface un patrimoine en élévation ou un patrimoine qui était caché. Et donc, euh, notre mission à nous, à l'INRAP, qui à mon avis est une mission essentielle, c'est de remettre ce patrimoine sous une autre forme au cœur de la cité, dans des films dans des expositions, et euh, même si on n'a pas de musée propre par définition, on présente le résultat de nos découvertes partout en France, et l'an passé, on a comptabilisé plus de 2 millions de personnes qui sont venues voir, beaucoup de scolaires, nos chantiers, nos fouilles, nos centres de recherche, et puis des expositions qu'on a pu mener dans les écoles, dans les mairies. Dans les gares, c'est-à-dire à des endroits où on n'attend pas forcément la culture, la recherche, mais c'est voilà une vision autre et complémentaire, je soulignerai bien, de l'archéologie traditionnelle, de, de scientifique voilà, même des, des personnages célèbres sont venus, euh, voir euh, nos, nos, nos expositions et puis euh, euh, les, euh, les publications qu'on peut mettre en œuvre. Voilà, c'était ma, ma dernière image, donc montrer cette, euh, ce système qui aujourd'hui est rodé, ce système qui est équilibré économiquement, ce qui est rare pour un domaine culturel ou scientifique, euh, qui marche bien, mais je dirais entre nous, que aujourd'hui, l'attention, elle doit être dans l'exploitation des données. On a une sorte de, de grande bibliothèque qu'on a ouverte grâce à l'archéologie préventive. et Il faut qu'aujourd'hui, cette bibliothèque, les livres soient lus et l'information soit partagée. Et euh, également euh, que l'archéologie ne serve pas de prétexte à ménager de plus en plus et ne serve pas de prétexte à effacer le patrimoine. Donc tout est affaire d'équilibre, mais c'est euh, ce dossier-là sur lequel voilà, je voulais pointer ce, ce petit bémol. Donc de l'efficacité, de, des postes aussi euh, du travail pour nos pour des voilà il y a longtemps faire des études d'histoire ou d'archéologie n'était pas forcément avoir du travail aujourd'hui euh, il y a 3000 archéologues professionnels en France et des recrutements permanents donc il y a, pour des gens qui veulent travailler sur le terrain et faire de la recherche en archéologie préventive il n'y a pas de problème d'emploi, il n'y a pas beaucoup de domaines où on peut dire ça, mais en revanche il faut inventer une archéologie préventive qui soit plus insérée dans les réseaux et qui rigue plus en interne et qui peut-être à l'international viennent aussi plus appuyer les recherches et servir la, la diplomatie d'influence, comme on dit. Voilà, merci à toutes et à tous et pardon d'avoir été peut-être un peu longué. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Alors on va passer maintenant à la partie table ronde. Donc Dominique, je vous laisse vous asseoir. On va inviter deux, deux invités supplémentaires. Donc docteur Bassem Jihad, directeur de la cellule de formation du ministère de Tourisme et Antiquités. Docteur Bassem Jihad est archéologue. Il a travaillé sur de très nombreux sites archéologiques en, 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 en Égypte. Euh, non, je citerai simplement le site de Douche, euh, qui est un site particulièrement euh, cher à son cœur. Euh, il est directeur de la fouille de la nécropole de Philadelphie. Il est co-directeur aussi du euh, projet Baboon, City of Baboon à Hermopolis. Et il est très actif aussi dans la formation des jeunes chercheurs, des archéologues. On a évoqué tout à l'heure plusieurs opérations faites avec l'IFAO. Il a publié aussi un ouvrage assez récemment avec Anita Quiles sur l'archéométrie, donc aux presses de l'IFAO. L'autre intervenant qui va monter sur scène maintenant, c'est Thomas Fauché, directeur du Centre d'études Alexandrine qui euh, est chercheur au CNRS, euh, qui est numismate et archéologue, euh, qui euh, mène un programme de recherche notamment sur, euh, sur l'or égyptien. Il a dirigé la mission du, euh, française du désert oriental pendant plusieurs années avec ce programme sur, sur l'or égyptien. On en a parlé tout à l'heure. Et il est arrivé à Alexandrie en 2021, et donc il a pris la suite de Marie-Dominique Nena à la tête du Centre d'études Alexandrine. Euh, maintenant. Alors je vais peut-être maintenant rejoindre la table ronde. Euh, ce que je propose, c'est que je vais, je vais introduire la discussion avec les intervenants, et puis ensuite je serai heureux que vous puissiez poser des questions sur euh, les thématiques qu'on a, qu a abordées ce soir. Oui, nous alors nous allons commencer par euh, euh, Dr Bassem Giade. Euh, je sais que vous allez, euh, vous allez nous répondre en, en anglais. Euh, euh, voilà. okay. La question que je voulais euh, poser pour, pour commencer, c'est euh, bon, vous, on a eu une belle présentation aussi des, des, de, de l'archéologie préventive en France qu'est-ce que quelle expérience avez-vous euh, de votre côté de l'archéologie préventive euh, en égypte euh, dans les opérations récentes euh, et euh, quels exemples pouvez-vous pouvez nous donner de la façon dont ça fonctionne euh, de l'organisation des opérations que vous avez vous-même eu, même, vous -même eu à, à mener et euh, dans quel contexte ça peut s'organiser? So, the question is about your recent experience. <laughs> so, first of all, thank you so much for this invitation and thank you for this uh, uh, informative lecture about the work that has been done in France. Uh, so, as most of uh, who are attending today, the, we know that the Supreme Council of Antiquities uh, is currently. Uh, not only doing the common excavation in many of the well-known sites, but also uh, in parallel to the new development of many of the roads and the cities around uh, uh, Cairo uh, and also um, the villages around uh, Upper Egypt and Delta, uh, they are now taking uh, the responsibility of documentation and the res rescue excavation of these uh, sites. So. Um, one of the uh, major examples of this would be um, the recent uh, excavation at Komeshkaw uh, in Sohag, which is the Ptolemaic uh, uh, remains of the Ptolemaic temple from Ptolemy IV. Uh, that was re that was uh, um, discovered during one of the um, uh, um, the um, enhancement and also refraction of one of the, vil the villages around North Suhag. Uh, it's also one of the main uh, thing which is the new uh, access leading to the new capital and what was done in the documentation of the uh, um, the remains of the temple of the new kingdom or at Memphis. Uh, so, the, um, the most challenging. Uh, Part of this would be the the fast process of the documentation that is needed to be done due to the time span of the of the project itself. So it's not the flexible and long-term project of excavation that we used to work. It's the uh, very intensive and also um, proper documentation that is needed to. Uh, to do this in order to do this, I would assume that what would be challenging is to have the equipped uh, team with the knowledge of doing the proper job in the time within the time frame. So, this is the most challenging thing. So, for the moment, uh, I would also um, have in mind the um, the recent excavation in North Sinai, as you can see here, Dr. Muhammad Masoud is there. He knows most of the thing that is going on from the development of North Sinai, but also the new fortress that was uh, in 2020 was discovered during the uh, excavation, and also the uh, uh, development that is going in North Sinai. Um, so we have plenty of examples in Egypt. Of course, it's the multiple phases of occupation. So we still live on the same. Most of the same places that was used in ancient time, from Islamic, medieval, Coptic, Byzantine, and also Roman, Pharaonic, and pre-dynastic. So you can have plenty of, uh, of material, and it's only the question of whether or not you can do uh, the proper documentation. And also, it's not only documentation, but post, post excavation, which is the publication, and that everyone would have the information. Merci beaucoup. Alors Thomas Fauché, euh, même question. Bon, on sait qu'Alexandrie est une, euh, une ville extrêmement riche en, en vestiges et le centre d'études alexandrine s'est illustré par le passé par de, de, de nombreuses actions d'archéologie préventive. Euh, donc est-ce qu'on peut euh, avoir un petit aperçu de cette, de cette activité dans le temps et puis est-ce qu'il y, est qu y a actuellement aussi des... Des, des projets de, de ce type Alors, effectivement, le, le centre d'études d'Alexandrine a été, a été donc fondé par Jean-Yves Empereur. Au départ, euh, c'était des prospections autour du lac Mariout à la recherche des, euh, des productions d'amphores, donc des coms, des coms de, de déchets de, de production d'amphores. Et puis, euh, petit à petit, et surtout la, à la demande du service des antiquités, il y a eu une série d'actions d'archéologie préventive en centre-ville. Donc, des bâtiments qui étaient, qui étaient détruits, qui allaient être reconstruits. Et donc, euh, voilà, la demande du service des antiquités est en collaboration assez étroite, euh, notamment avec le musée gréco-romain d'Alexandrie, qui, qui fouillait jusqu'à jusqu récemment. Euh, des opérations d'archéologie de, préventive ont été, ont été menées avec un, un, un certain succès, puisque maintenant, le dépôt de fouilles euh, qu'on gère. Euh, en collaboration avec, avec les équipes du ministère des Antiquités, c'est plus de, de 150 000 objets euh, entrés dans l'inventaire, qui ont connu euh, beaucoup de, de volumes de, de publications, beaucoup de spécialistes qui sont, euh, qui sont passés euh, dans nos murs pour étudier, euh, pour étudier ces objets. Euh, l'archéologie préventive à Alexandrie, c'est aussi euh, l'archéologie sous-marine, puisque là aussi, à la demande du ministère, euh, dès 1996, des fouilles sous-marines ont été euh, ont, ont commencé sur le sur le site sous-marin au large de Kaïd bay donc euh, qui recelait les qui les, euh, les vestiges du du, euh, du phare d'Alexandrie. Et donc euh, à la fin des années 90 et au cours des années 2000, une douzaine d'opérations ont été menées euh, ont été menées par le par le centre d'études alexandrine, euh, à la fois en centre-ville et, euh, et sous l'eau, ce qui a permis de de redécouvrir la ville qui avait été fouillée au début du XXe siècle et qui a peu été fouillée par la suite, et donc de redécouvrir, redécouvrir notamment le centre-ville, la zone du Césaréum, et d'autres études, notamment des études géomagnétiques, on en parlait, pour, pour rediriger leptastade le, Donc les, ces opérations continuent. On a une, une opération en cours sur le, le petit port du Kibotos, donc... Qui était dans le port, dans le port ouest d'Alexandrie. Donc, là, des, des mesures géophysiques vont être menées pour, pour essayer de retrouver la, la délimitation de ce, de, ce, de, ce, de ce port. Et puis, les fouilles, les fouilles en centre-ville continuent. Alors, pas directement sous l'égide du, du centre d'études alexandrines, mais généralement en collaboration avec, avec le service des antiquités d'Alexandrie. Où, à l'heure actuelle, par exemple, il y a plus de, de quatre opérations qui ont cours, hein, là, dans le centre-ville d'Alexandrie, euh, pour lesquelles on intervient pour de la topographie et puis euh, des études de matériel de manière, euh, de manière ponctuelle. Donc là, il y a eu un, un gros changement et, et c'est peut-être une question que, euh, que, commune que j'avais envie de poser à, à la fois à, à Bassem et à, et à Dominique Garcia. C'était euh, un petit peu le cadre administratif. Ça, c'est un premier point. Vous parliez de Garcia, des, des diagnostics qui amenaient ensuite à des opérations, ou pas d'ailleurs des opérations archéologiques. Je pense que c'est important. Là, par exemple, à Alexandrie, depuis quelques années, les promoteurs sont obligés de payer le service des antiquités pour qu'ils puissent, puissent mener des fouilles. Donc, je voulais connaître le cadre, parce que je ne le connais pas exactement, le cadre légal de ces opérations d'archéologie préventive en Égypte. Et puis le deuxième point, et puis là c'est peut-être un retour d'expérience, c'est comment en France euh, il y a encore cette dichotomie en Égypte entre euh, d'un côté le promoteur et de l'autre côté euh, les archéologues, et, et comment en France euh, ces, deux, euh, ces deux aspects ont pu être euh, raccommodés, on va dire, et comment euh, le dialogue se fait avec les promoteurs pour que euh, ben l'archéologie préventive puisse avoir lieu dans les meilleures conditions avec des. Du temps donné, euh, voilà. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes puisqu'elles peuvent être vraiment mises en regard avec le développement de l'archéologie préventive en Égypte. En, yeah. okay. euh, si... en premier, puis mon collègue après. Non, sur le, sur la France. Alors, le quand la loi est a été votée en 2001. C'est une loi sur l'archéologie préventive qui a été perçue de manière négative par les promoteurs, par les gens qui construisaient. Et le paradoxe, c'est qu'en France, beaucoup de constructions sont, sont réalisées par les services publics, par les maires, par les députés, par les sénateurs. Donc les gens qui étaient contre étaient aussi les gens qui avaient fait passer la loi. Il y avait ce petit paradoxe. Ce, ce système aujourd'hui, on l'a vu encore récemment dans les, dans les discussions parlementaires en France, n'est plus un sujet. L'archéologie préventive n'est plus un sujet. Ça revient plus dans le, dans le débat. La loi est intégrée. Euh, à mon avis, pour deux choses, positives et négatives. Le, le côté positif, c'est que notre métier, euh, l'archéologie, le patrimoine, sont extrêmement euh, Populaire et sont transpartisans. Il y a eu la semaine dernière en France une petite affaire de, de destruction en Bretagne de mégalithes. Euh, toute la population s'en est émue, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et euh, ça a fait une affaire d'État sur un dossier qui est sensible, dans lequel personnellement il euh, y a eu une erreur, et donc euh, en tant que tel. Mais je veux dire, aujourd'hui, l'opinion aime bien les supermarchés, l'opinion aime bien les routes, mais ne supporte pas la destruction du patrimoine. Je présentais tout à l'heure Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, la souscription pour rebâtir Notre-Dame est la plus grande souscription qu'il y ait eu en France, et il y a beaucoup de moyens pour reconstruire. Donc le patrimoine est populaire et protège l'action des archéologues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la loi sur l'archéologie préventive, réellement en France, a fait que l'archéologie est réellement préalable aux travaux d'aménagement. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui freinons les travaux, c'est dès qu'il y a une volonté d'aménager ou de construire euh, que l'archéologue vient. On fouille aujourd'hui sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe, dans les Hauts-de-France, en France. Ce canal, si un jour il est mis à nos, ça sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc l'archéologie est vraiment. Un amont est vraiment préalable. Donc, du coup, pour l'aménageur, c'est presque une facilité. C'est une étape à moins. L'environnement, si sur le tracé du, du canal, on trouve des arbres rares, l'aménageur ne saura pas les faire bouger. Les sites archéologiques auront été bougés par les archéologues. Donc, du coup, pour les aménageurs, c'est quelque chose qui peuvent payer, qui peut être fait avant et qui leur enlève toute réclamation de la part de la société. Et au contraire, je le disais tout à l'heure, le fait que sur le terrain, nous, on ouvre nos chantiers, c'était la semaine dernière où il y a eu les journées de l'archéologie en France, on ouvre nos chantiers aux écoles, aux citoyens, on est un service public de proximité où des gens voient du patrimoine partout. Et donc du coup, ça facilite aussi pour l'aménageur le fait qu'il va transformer le paysage. Voilà, donc je crois que aujourd'hui on est admis là dedans. Et puis le coût, certes, cette archéologie là euh, demande des moyens, et donc chaque chantier a un prix qui est certain, mais euh, est tout à fait supportable pour les aménageurs dès qu'ils construisent du logement, dès que c'est des aménagements forts, quoi. Voilà. So, if I may just add in this, in the situation in Egypt, so um, it's by law that in by the Egyptian law that all of the sites that's well known, that it is uh, uh, having a an, 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 uh, uh, historical background or antiquity. Um, it's um, um, safeguarded by the law that uh, uh, you can't just build a new building without doing the proper excavation. Uh, the scale of this would differ from just a small district that is uh, uh, secured by this law or uh, like for for instance Mataria or um, exams like this or a complete govern rate like in uh, Alexandria the m most of the coastal uh, region is um, is uh, um, safeguarded by this law but then the question would be um, uh, how uh, this team would, uh, recontextualize the information uh, from this detached small piece of Basel in the modern city within the archaeological information of the big picture of the of the of the of the, of the historical part of this of the of the site, and also um, I would assume that the the way that you showed uh, us in the in the presentation. Uh, for the methods used in the excavation in this uh, uh, rescue excavation could only be applied uh, in within the certain level of uh, training uh, as i as I previously mentioned, it is not the same method or let 's say technique that you used in flexible or relaxed program long term excavation it 's also um, Tackling those who are working in these sites, the needs of the project, and also the understanding of the uh, uh, society around them. So, if you are just uh, excavating in an area that's owned by uh, 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 one of the people who are on this, uh, you are under the stress of the needs of the people. So, and also under the stress of the needs of the of the main aims of the project, the timeline, the cost. Et tout. Donc, ce n'est pas juste excavating dans l'un des sites. Merci. Alors, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions ou interventions dans la, dans la salle, si quelqu'un mm -hmm. veut intervenir. Merci oui. beaucoup. Uh, thanks for the presentation and this is a great discussion especially for us as we are the, our institute is working in aswan together with uh, our egyptian colleagues now since 20 years we are doing urban archaeology so real urban archaeology like in europe we try to do it as good as possible and it works to a certain degree and, and i think we had very good uh, success because it's a very close cooperation with the egyptian colleagues it's combined with, uh, with a training program. So we have now in Aswan really a, a number of colleagues who are c absolutely able to do their own excavations, to document them, and so on. And of course, I think this whole issue only works in cooperation, in close cooperation. We have to help each other. And if you talk about contextualizing, you can only do that, of course, by means of studying the material culture. Otherwise, you never have a chronological connection. So you, you have to create and this, this can only be done again in cooperation. and the people exist and the people know how to do it. and i think it's, 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 it's possible. and um, one thing i want to stress is urban archaeology. because urban archaeology is, um, is a little bit different from, you know, uh, working in projects in the countryside with, with uh, highways or railways or whatever. because urban archaeology in a city needs con a constant a unit who does it and this continuity is, the, is very important, both from the side now in we have a cooperation. our institute, of course, is committed and also our egyptian colleagues, without the very strong support of the local authorities, it wouldn't be possible to do anything of that. and it's, i think it's a pity that in egypt, urban archaeology is very rare. as you said, most cities have a very long history. but a lot of this history is destroyed on a daily basis because there simply isn't done enough uh, urban archaeology, so I, I just wanted to to stress that I think I think it's it's really possible and it can be done and it can also be done in Egypt. And uh, yeah, we have excavated. Of course, it's difficult because it's a puzzle. and of course, there are not these discoveries very often because you excavate a settlement and not normally not tombs or whatever. But still, it's, it's very fulfilling if you if you see the the whole history of the town suddenly emerging, that wasn't known before. And and this is also something that one can tell the local population. So the the acceptance of this kind of archaeology is getting better and better. I think at least in Aswan. Thank you very much. I would like to add a word. It's true that I think the work done in Aswan... Euh, par l'équipe de, de, de Wolfgang et en collaboration avec le service est absolument remarquable et, et, et tout à fait devrait être un exemple de collaboration dans le reste du pays avec des opérations menées sur le long terme dans différents endroits de la ville avec une vraie, de la vraie formation aussi et je pense que cette, cette étape est, un, est vraiment importante et, et, et montre à quel point la collaboration peut être, peut être fructueuse. Entre des équipes internationales et des équipes, et des équipes égyptiennes. Juste peut-être un point, il faudrait peut-être pas, alors vous ne le faites pas, mais il faudrait peut-être pas penser que ce qu'a montré notamment Laurent n'est ne que de l'archéologie programmée, puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont vraiment sous pression immobilière et, et, et beaucoup de missions. Euh, se considèrent maintenant comme des missions, même si elles ne travaillent pas toute l'année, comme des missions d'archéologie préventive, puisque beaucoup de choses disparaissent et qu'on est... Euh euh, malheureusement, obligé de faire des choix, non pas des choix euh, scientifiques, mais vraiment des choix d'urgence, de sauvegarde d'une partie ou d'une partie d'un site. Et donc, on se rapproche, et c'est pour ça qu'il y a une vraie euh, réflexion à mener euh, en termes d'archéologie préventive, puisque beaucoup de nos opérations, euh, se, alors je parle euh, notamment du Delta, il y a beaucoup de choses dans le Delta qui sont qui sont menées en archéologie préventive, euh, et, et donc. Euh, c'est extrêmement important. Et là, je rebondis, c'est peut-être une, une question à, à Bassem. Je sais que le le, le service d'antiquités a beaucoup travaillé dans le delta ces dernières années. Euh, quelle est la politique Est-ce que c'est une voilà de continuer à étudier beaucoup les zones où il y a une pression immobilière forte et euh, voilà de continuer à travailler sur ces sites en, en danger. C'est que le, le ministère avait édité euh, euh, il y a quelques années un, une liste des sites. En danger sur lesquels il faudrait que, notamment, que les missions étrangères travaillent Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que le ministère pousse toujours à, à travailler en princi principalement sur ces sites Oui, oui. en is not working in a detached island so it works within the mainframe of the government and in this case uh, we link the priority of the work with the current uh, project that is the government is working on and also within the priority of the sites that under uh, risk so i would uh, say that the most of the sites that are listed on the priority list of the permanent committee is among those who are on the way of current project, for this reason, uh, the the um, approval of the permanent committee is uh, basically focused to push the foreign mission, because the um, the examples of the salex in Alexandria and the Swiss mission in Aswan uh, is not. Uh, is a serendipity of like the the, the series of fortune events that happened in Aswan and Alexandria that there is a joint and cooperation between the foreign mission and the Egyptian authority. Now in Delta and also in many other places, this should be the main streamline that is working that the uh, foreign mission. This is from the point of view of the of the ministry that the foreign mission should uh, work on, work on. Otherwise. Um, this side will will be lost because uh, the it's on the way of this one two three four years project and then you will lose it. So uh, this is the if this is the, un the answer maybe. So um, I would say that the. Um, during the dewatering project in alexandria the uh, America, the um, arc uh, have trained have did a rescue field school uh, for uh, for rescue excavation for this dewatering project in uh, in alexandria and i would uh, think that within the cooperation of different institutes in egypt and also uh, missions that have the uh, long experience in such uh, situation we could develop certain uh, regional team that would handle this kind of situation and also would not only do the excavation but also well as I told you recontextualize and post doing the post process excavation so that we have the report for the future not only for now Merci beaucoup. Are there uh, questions? I uh, would like to ask about uh, the example um, of uh, the difference between the rate of uh, development uh, sometimes the country need to develop uh, some project uh, so quickly and uh, the archaeological have uh, some slowly recording to recording the sites uh, I think the example of uh, Salah Salem extension through the Qarafa is uh, an example for uh, such issue we talk about. Uh, how, uh, how do you think uh, this issue could uh, solve between uh, these different um, okay. uh Salah uh, Salem now have a road parallel uh, to it. Uh, this road uh, comes through the Qarafa. This carafa uh, not recorded uh, at uh, historical, so uh, they destroy uh, this historical uh, sites which not recorded at all. Uh, so uh, how I could solve this uh, issue? The, I think it, it raised the, the, the necessity of documenting also uh, very quickly everything. Uh, that that's why we we. That's a permanent concern also for uh, for our institute, the Foreign Institute, but also for the the Ministry of Tourism and Antiquity of documenting uh, Isham as uh, a center of documentation. So we are er always in the process of documenting uh, everything. And it, by the, this way of documentation, of course, uh, uh, it will be uh, will the best way to. To, to gather the, the, this documentation and to save it uh, f from many point of view, and it, it gives me an, another question for Dominique Garcia. Uh, as we, as of course we we discuss about Egypt, we discuss about France. Um, et la question c'est est-ce que uh, justement uh, Alain Rapp vous avez des, aussi l'occasion d'avoir ces perspectives internationales entre les différentes solutions qui sont adoptées. Euh, est-ce que vous êtes consulté par d'autres pays Est-ce que vous allez voir aussi euh, d'autres pays Est-ce qu'il y a une sorte d'échange de, de, général sur la question de l'archéologie préventive Ou, ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui est peut-être une perspective pour l'avenir Depuis euh, la. la la Convention de la Valette, ce qu'on appelle la Convention de Malte, il y a une réflexion qui, est, qui existe à l'échelle européenne. La sensibilité au patrimoine n'est pas la même selon les, les pays. Le système français aujourd'hui fonctionne bien, je disais tout à l'heure, mais consomme beaucoup de patrimoine. Donc l'exploitation euh, scientifique n'est pas encore idéale. Donc, je suis très modeste sur ces approches-là, même si le dispositif fonctionne. Donc, voilà, ça c'est déjà. Donc, donner des leçons, c'est toujours un peu difficile. Ensuite, l'Italie, si on prend un exemple peut-être, où le patrimoine est aussi fort, ou presque aussi fort qu'en Égypte, a bougé un petit peu la ligne l'été dernier. Parce qu'en Italie, le patrimoine était un élément aussi défendu, dans lequel on ne pouvait pas imaginer une archéologie préventive aussi radicale, si j'ose dire, qu'en France. Mais ils ont adopté une loi sur l'archéologie préventive cet été, qui touche les espaces ruraux liés à la création d'énergie verte. C'est-à-dire protéger le patrimoine en milieu rural quand on veut mettre des éoliennes ou des champs photovoltaïques, ce n'était pas possible. Et donc du coup, l'Italie a mis en place une loi sur l'archéologie préventive en dehors des grands centres patrimoniaux pour pouvoir faire de l'archéologie et ensuite libérer le terrain et mettre ces éléments-là, dont ça bouge un petit peu. Ensuite, nous, nous sommes intervenus in rap au Cambodge, en Algérie. On intervient en ce moment au Pérou en euh, appui à euh, des, euh, des équipes locales pour partager la connaissance. Donc on peut avoir ce rôle-là. Euh, on est intervenu au Cambodge, à Angkor, sous l'aéroport actuel euh, à proximité d'Angkor, où on a réalisé les fouilles et où on a formé des, des collègues cambodgiens. Donc il y a un peu de, de transfert qui est fait de cette, cette manière-là il y a des collaborations ponctuelles avec des, des agents précis à des missions un peu partout dans, dans le monde. je crois que voilà il, y a, il faut y aller humblement parce que notre dispositif n'est pas, pas partout pareil. mais en revanche je le crois efficace peut-être demain dans des pays en reconstruction après des périodes de guerre, après des périodes où des catastrophes naturelles ont montré qu'on est capable, nous, d'apporter au patrimoine de l'humanité un certain savoir-faire. Mais ces éléments-là sont sensibles. On parlait tout à l'heure, euh, Laurent me reprenait sur le, les missions euh, égyptiennes en disant euh, toutes les missions ne sont pas des missions avec des sites et qui vont être préservés. On, on a en tête euh, que certains sites d'Égypte risquent de disparaître ou on fouille. En France, on pourrait avoir aussi cette même dynamique sur des fouilles programmées, de dire l'endroit où on fouille en programmé, ça devient des réserves archéologiques et on fait des missions à des endroits où plus tard, éventuellement, le site pourrait être détruit. Voilà. Donc, je crois beaucoup au transfert de compétences, euh, mais en tenant compte toujours de la sensibilité au patrimoine qui n'est pas la même d'un pays à un autre. vous avez touché question que poser, mais pour un peu plus Um, in your keynote, you uh, had spoken about uh, Paris and especially about the um, uh, part uh, in the Louvre, uh, within the Louvre. And uh, it would be interesting to uh, hear a bit more after this part was covered again how much was lost of uh, the uh, antiquity of the patrimonial that uh, was there. Uh, in favor of uh, the modern part that was built and the entrance of the Louvre. On the other hand, uh, exactly what Laurent was uh, talking about, the uh, experiences we have with other countries, like for instance in Vienna, when you walk uh, and you uh, find under your feet uh, glass and be, uh, beyond there is uh, antiquity, uh, the same in Germany, in Berlin. Uh, in uh, Rome, uh, you find uh, in the underground um, uh, antiquities behind uh, glass. Um, how successful would you see this, and how uh, would you think something like this could uh, work in uh, Alexandria, uh, for instance, uh, so that uh, maybe we can, here in Egypt, uh, as Bessem uh, is trying to uh, very quickly? Be behind uh, the urbanization that's happening here, how we can uh, preserve some things in situ without needing to uh, transfer them or to lose them uh, in total. Sorry, I have to say something. Thank you so much. And then, in this regard, I would like to add something in Luxor. When they make the new corniche, they found this marine to the Luxor Temple, and they did the same as in Vienna. They put glass, and you can see from up what is behind, and also from the other side of the, from the east uh, side of uh, Luxor Temple, you can find also the traces of what they went, when they did the development in this area. Uh, uh, when <laughs> within the, the area of Luxor Temple, also they found a lot of. Basilica, a lot of uh, stones, a lot of uh, buildings uh, it is half building and they kept it and they just go around it in order to keep it for uh, for, his, for history and the people to to know what it was there in long time and it is just to add uh, of what my colleague and my friend Tarek said just sur, ce, sur ce point c'est un. Essentiel. Le fait, euh, vous avez cité des exemples en Allemagne, en Autriche, on en a en Italie. Moi, j'ai vu à Bologne, en Italie, euh, le supermarché de Bologne, et au milieu, on voit une vitre et on voit des vestiges en dessous. À Tarragone, à euh, il y a de beaux exemples de ce type-là. Euh, ils sont nombreux. Le, le, et quand on les voit et qu'on aime le patrimoine, on est sensible. Et on se dit, on aimerait le voir. Un, il y a un coût. Euh, quand on le voit, il faut qu'il y ait de l'entretien, il faut qu'il y ait des moyens. C'est un rapport, que je disais, au patrimoine qui est un peu différent. Il y a aussi des, de la recherche. À Lyon, mettons, euh, si on avait conservé la ville de Lyon, si on avait conservé les niveaux romains sous des vitres, on ne connaîtrait pas les niveaux gaulois. Souvent, on a découvert à Paris des niveaux du néolithique à des endroits où on a fouillé des niveaux du Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire que les ruines que l'on peut voir interrogent le patrimoine, notre sensibilité, et j'en fais partie, mais en revanche cristallise, fossilise un état, voire dans l'imaginaire ce qui est euh, l'archéologie. Je prendrai qu'un exemple. Euh, pour la préhistoire en France, souvent à l'école, les enfants disent pourquoi les hommes préhistoriques peignaient dans les grottes Parce que pendant longtemps, on a cru que le seul art préhistorique était dans les grottes. Grâce aux fouilles préventives, on a trouvé de l'art préhistorique à Angoulême, devant la gare. On en a trouvé à Amiens, en pleine campagne. Et donc, cette archéologie-là, qui ne hiérarchise pas en disant c'est des murs, on garde. C'est de la terre, on passe, mais qui essaie de faire une archéologie sur la longue durée, a d'autres vertus, celle de dire on étudie autant les Gaulois que les Romains, on étudie autant la période wisigothique que le Moyen Âge, et on va chercher ce qui est un peu plus loin. Vous voyez? C'est un. Donc, euh... Là aussi, il y a un, des éléments d'équilibre, mais d'un point de vue scientifique, en France, où on est peut-être moins sensible à cet état de conservation, on a par contre documenté des dossiers, me semble-t-il, de manière positive. Uh, points that would connect some dots of the of the subject so uh, from my work and for instance in ashmunain because of the issue of how far it's properly documented so the same I I would say that I can't do the same optimum and precise and slowly documentation that is done in a an archaeological site like Ashmonain, which I have like long seasons, long-term project. I'm not limited with the uh, with the timeline of the project behind me, and also the contractor and uh, civil administration and priority of this. And so it's a matter of how you see the priority. What I see as an archaeologist as my priority is not other people' priority. This the, the how we have to consider this. Second thing is why do we have very few examples of foreign mission working on this kind of. The, the answer is, and also, for instance, for me, the answer is that if i'm applying in my university, in my institute, in my government for uh, a funding, or let's say third-party funding, whatever, in this case, i would expect that my site would give big results, like a big fish so that i can apply for the next season for the funding and then the funding continue it's a, it's a matter of a, frankly speaking excavation is equal a big budget so if you are working on a site like uh, town of aswan or a, in alexandria you can't expect it's a matter of luck but you can't expect that you will have like paramount uh, results of huge coffins and big tombs and temples and it's a matter of rarity that you would have it, and you can find it. Now it's nowadays is the the only. Um, uh, it became the, the 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 Ministry of Antiquity is the only, um, let's say, army of of inspectors and archaeologists who take this over to do it. That's why I am telling. Um, I was talking about the cooperation and the enlargement, and that's why I see. La priorité liste de la permanente commission, nowadays, que ils sont en train de mettre en avant et en ayant ça sur le dessus de la liste de priorité du travail, pour encourager les gens à le faire de plus en plus. C'est tout. Juste pour ajouter un, un, un dernier mot sur Alexandrie, c'est vrai qu'on voit ces exemples un petit peu fleurir un petit peu partout. Il euh, faut imaginer que c'est quand même des coûts énormes parce que ça veut dire que euh, le bâtiment qui a été prévu doit être modifié avec euh, un accès au public, ce qui est souvent difficile à faire en, voilà, dans, dans le paysage urbain. Euh, en ce qui concerne Alexandrie, enfin, en tout cas les, les fouilles qu'on qu a pu mener, celles qui sont menées par le service à l'heure actuelle, la ville est extrêmement détruite. Et donc, pour trouver des éléments réellement significatifs, réellement euh, qu'on pourrait mettre en valeur, euh, comme ce qu'on peut avoir à Comeldica par exemple avec ses grands bains. Qui là sont, sont extrêmement bien conservés. Ça serait vraiment difficile à faire, euh, surtout que si vous imaginez à euh, Alexandrie, dans le quartier du Césaréum, euh, trouver, euh, on pourrait montrer n'importe quelle époque, mais si vous voulez montrer l'époque Télémaïque, on va être à 8 mètres au niveau euh, de, sous le sol. <laughs> Donc c'est extrêmement difficile à, à mettre en valeur. Et encore une fois, je suis assez d'accord avec Dominique Garcia sur, cette, euh, sur, sur ce point de vue-là. On a souvent, à euh, Alexandrie, c'était un, un défaut pendant longtemps voulu travailler sur les périodes les plus anciennes, la fondation de la ville, l'époque romaine. Et on a un défaut, par exemple, de connaissance sur la ville médiévale, puisqu'on est passé, malheureusement, assez vite, assez vite là-dessus. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être mettre, justement, avoir un contrebalancé, avoir une, une vision peut-être plus, plus lente sur cette partie de la ville qui est moins connue, et peut-être moins s'attacher à cette partie-là. Ce qui... Et ça, je pense que c'est une expérience qui peut être intéressante à tirer de la France. J'essaie souvent de discuter, en tout cas avec les autorités locales, et je pense que c'est un débat à mener avec les promoteurs, que les, archéologistes, les archéologues pardon, ne sont pas là pour arrêter le développement des villes, ils sont là pour documenter. Donc voilà, si on nous laisse... Un an, on prend un an, si on le laisse six mois, on prend six mois, si on le laisse trois mois, on prend trois mois, et le terrain est donné au bout de ces trois mois, six mois, un an, et donc ça permettrait de continuer à travailler ça. Je pense que, que l'équipe de Wolfgang en est, en est le, 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 le bon exemple, où euh, voilà, le fait que ça soit bien passé fait que ça fait boule de neige, et que les promoteurs, les promoteurs ensuite n'ont plus peur de laisser le terrain parce qu'ils savent qu'en temps et en heure, le terrain est rendu. Et, et ça, je pense que c'est un, un développement à faire ouais, au plus haut niveau et aussi euh, de, de vraiment discuter avec les promoteurs directement en leur disant, mais n'ayez pas peur, laissez-nous travailler, euh, on, on ne veut pas bloquer les choses, on vous laissera, on vous laissera travailler ensuite. Et donc euh, ça, c'est à mon avis un, une expérience aussi intéressante euh, euh, du, du point de vue de français et un changement qui s'est effectivement fait en... En 20 ans, enfin, je pense qu'il y avait vraiment un changement réel. Donc j'espère que les prochaines années en Égypte, il y aura ce, voilà, ce changement de paradigme où les, où les promoteurs ne verront pas l'archéologie d'un mauvais oeil, on va dire, et, et laisseront les, les archéologues travailler. Et, et j'espère que le travail notamment de, de Bassem montrera qu'il y a la possibilité de cette archéologie préventive en, en Égypte et qu'elle peut se développer. Mais sur ces paroles pleines de, de belles perspectives, de, de coopération, de, de travail commun, je pense qu'il est temps maintenant de, de, de conclure cette table ronde en remerciant euh, sincèrement euh, Dominique Garcia d'être venu euh, nous, euh, nous présenter cette belle conférence, euh, Docteur Bassanviad et Thomas Faucher aussi pour, euh, pour leur participation. Euh, je vous remercie d'être venu encore pour cette nouvelle édition de la, de la journée de l'archéologie. Euh, on va se retrouver très bientôt pour des choses plus agréables à côté. Et euh, ben en attendant, euh, voilà, je vous souhaite une, une très bonne soirée et euh, une, un très bon été aussi également. À bientôt.